Je ne sais pas dans quelle attitude tu es venu cet après-midi. I don't know why you came here. Je ne sais pas à quoi tu t'attends cet après-midi. I don't know what you're expecting. Je vous assure que je n'ai pas beaucoup dormi. I assure you, I did not sleep a lot. Mais mon cœur est dans la joie d'être là. But my heart is filled parce qu'il y a quelque joy. Chose qui va se passer cet Because après-midi. Something is about to happen this afternoon. Il y a quelque chose qui va se passer cet après-midi. Alors je t'invite à rehausser le niveau de ton attente. So please wait for the Lord. Yes. Je t'invite à entrevoir la grâce qui est devant toi. I call you to see the grace in front of you. Parce qu'il y a une grande table qui nous est préparée. Because something is prepared for us. Le Seigneur attend seulement les invités pour s'asseoir à cette table. The Lord is waiting for those that he invited. Et ces invités, c'est toi et moi. And those are you and me. Il dit, allez, cherchez-moi, qui va venir manger ce mets que j'ai préparé? Find me. Who will eat? Alors, quelle est ton attente cet après-midi? So what are you waiting for? Alors, commence à prier. So begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Tu sais, les gens ont soif. Ils n'attendent pas que le modérateur dise « prions ». Les gens assoiffés, ils ne vont pas attendre qu'on me dise « prie maintenant » ou que le son du piano commence à monter. Mais ils vont commencer déjà à prier pour dire « Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Nous nous attendons à toi cet après-midi. » Viens et fais grâce. Come, Seigneur, nous nous attendons Lord, à toi cet après-midi. Nous avons besoin de we toi. Nous sommes venus te célébrer en ce dimanche de Pâques où le tombeau est resté vide. Nous sommes reason. Venus, Seigneur, pour te rencontrer. To meet you. Amen. Élève ta voix, commence à prier. Je ne vous entends pas. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Sois pas distrait. Sois pas distrait. Sois pas distrait. Dieu peut te toucher alors que la louange n'est même pas encore montée sur le stage. Dieu peut te faire du bien alors que le pasteur n'est même pas là pour prêcher. Alors commence à prier. Demande à Dieu qu'il te fasse grâce. Demande à Dieu qu'il touche ton cœur. Demande à Dieu qu'il y ait un toucher cet après-midi. Prie, je vais t'entendre. Élève ta voix. Je ne vous entends pas. Élevez vos voix. Élève ta voix, prie, ne sois pas distrait. La sim kenine debos tabara. Lere la sum kainava. Mele de bros ta ide recrente li de bros. Malasim talum se ide recrente li de bras. Mero de flore cancile ni soli le relas. Fais-le, Père. Fais-le. Alléluia. Fais-le, Seigneur. Que la rabrasa iderante. Maina rubre la sum que ni de rebosta bra. Que l'homme zaïdera sam talum que ni de rebosti yama. Seigneur, nous voulons voir ta gloire en ce lieu. Lord, we want to see your glory. Seigneur, nous voulons voir ta gloire envahir ce lieu. We want to see your glory fill this place. Seigneur, nous voulons voir ta gloire descendre dans ce lieu. Lord, we want to see your glory fall. Que la cabane de Dieu descende dans ce lieu. Que ce culte de cet après-midi, ce culte de cet après-midi, oh, déclenche quelque chose dans la vie des uns des autres. À cause de ta présence. À cause de la gloire qui est en train de descendre Because en ce lieu. Seigneur, manifeste ta grâce cet après-midi. Seigneur, manifeste ta puissance cet après-midi. Seigneur, manifeste, oh Dieu, ta présence au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont en chemin. Que tes anges soient dépêchés afin de les accompagner à la maison des adorateurs pour qu'ils viennent et adorer avec nous ensemble.
Seigneur, je prie que la puissance du sang de Jésus commence à régner en ces lieux et partout dans les alentours au nom de Jésus. Je brise le programme du diable contre cette réunion au nom de Jésus. J'annule toutes décisions prises dans les sociétés secrètes, dans les loges de magiciens, dans les loges de sorcières. Je rends nulle toute décision nulle et non avenue dans le nom puissant de Jésus. Je marche sous la puissance des ténèbres contre ses services au nom puissant de Jésus. Je renverse toute forteresse dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur parce que le ciel était déjà ouvert. Merci Seigneur parce que cet après-midi, tu vas rencontrer chaque personne selon son besoin. Merci Père éternel, ce que tu vas faire. Pour ce que tu vas faire. Thank you for what you will do. Pour ce que tu vas faire. For what you will do. Thank you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Matthieu 28. Matthew 28. Chapitre 6, il est dit ceci. Verse 6, it says. Il n'est pas ici. He is not here. Il s'est réveillé de la mort. He is risen as he said. Comme il a dit. Yes. Comme il a dit. As he said. L'endroit où il était couché. Come see the place. Est vide. Where the Lord. Alléluia. This is empty. Alléluia. Alléluia. L'endroit où il était couché. The place where he was laid. Est vide. Is empty. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un? Can you tell somebody? L'endroit où il était couché. The place where he was est vide. Il est au ciel, assis à la droite du Père, le ressuscité du troisième jour. Jésus, Jésus, on acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Rebrasata inerabos. Oh, j'ai parlé d'acclamer le roi des rois. Je parlais 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 d'acclamer le roi des rois. Rela satani de brosta y de bres. Minera sum tenine de bosta bra. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, rebras chibrali sabras. Alors, je voudrais, pour le une minute qui me reste, que tu commences à souhaiter une joyeuse Pâque. Tell your neighbor, happy Easter. Commence à souhaiter à quelqu'un une joyeuse Pâque. Joyeuse Pâque, Canada. Joyeuse Pâque de Karine. Alléluia. Joyeuse Pâque de Naomi. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. May God be blessed. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on va bien cet après-midi? Are we okay this afternoon? Est-ce qu'on va bien cet après-midi? Are we okay this afternoon? J'ai un message à te dire. I have a message for you. Joyeuse Happy Pâques. Easter. Joyeuse Happy Pâques. Easter. Joyeuse Happy Pâques. Easter. Ce matin, j'étais dans la voiture en train d'arriver. This morning, I was in my car, et il y avait un quelque chose, sort of, un credo qui remontait dans mon esprit. In my heart, in my spirit. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça dit simplement, je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il est mort. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu. Le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle. En la communion des saints. En la rémission des péchés. En la résurrection du corps. Et en la vie éternelle. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Aïe, 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 aïe.
Encore une fois, bienvenue à chacun dans la maison des adorateurs. Again, welcome in the house of worshipers. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. Good morning, everybody. J'espère que vous nous voyez très très bien. I hope you see us Ça fait plaisir de vous savoir avec nous. We are thrilled to be Alors ici, nous avons une devise qui est méditer la parole de Dieu pour mieux l'adorer. So here we say, meditate the word of God to Nous accordons une place à la parole qui est essentielle. La raison est que la parole procure la vie. The word gives life, brings life. Alors nous allons passer un temps à écouter les méditations des membres du collectif J'adore. We will listen to all the meditations. Ces méditations sont partagées chaque matin. Nous nous réunissons chaque matin pour prier. Ces méditations sont partagées dans le Zoom chaque matin. Et il y a 4 personnes qui vont nous partager leurs méditations aujourd'hui. Je prie que ce temps de méditation puisse t'impacter, que tu puisses entendre quelque chose, une semence dans ta vie qui va changer quelque chose. Au nom de Jésus. Alors sans plus tarder, je vais demander à la sœur Kétia si on peut l'encourager. Elle va venir partager sa méditation. Et pendant ce temps-là, Sarah Coty se prépare. Yes. Shalom, shalom à tous. Joyeuse fête de Pâques. Je vais lire ma méditation. Je me suis basée pour cette méditation sur la vie du roi David dans Psaume 51. En regardant la vie d'hommes comme le roi David, Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas fondamentalement bons, mais corrompus. David était un homme extraordinaire et pourtant il a commis des terribles transgressions. La grande vérité du psaume 51 est que la repentance est le moyen que Dieu utilise pour transformer notre vision du péché. Nous pouvons être purifiés, nous pouvons être délivrés du sang versé parce qu'un autre l'a été pour nous. Dieu détourne son regard de notre péché parce que Christ emporte la responsabilité à notre place. Se repentir, c'est reconnaître l'ampleur de notre péché, reconnaître notre culpabilité. Regardons comment David décrit son péché dans Psaume 51:5. Il dit « Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi ». David est obsédé par ses crimes, obsédé par sa culpabilité. Le péché blesse notre conscience, crée un trou en nous. C'est une anomalie. Dieu, dans sa miséricorde, permet que cela ait des conséquences dramatiques afin que nous prenions conscience de notre faillite morale. Se repentir, c'est reconnaître l'offense qui est faite à Dieu. Dans Psaume 51:6 me dit « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Avant toute autre chose, le péché est une transgression de la loi de Dieu. Il est donc premièrement une attaque envers lui. Se repentir, c'est reconnaître la puissance du péché en nous. Comment est-il possible qu'un homme à qui Dieu avait tout donné comme David ait pu arriver jusque-là ? 2 Samuel 12, 7 à 10, qui parle de tout ce que Dieu a donné au roi David, mais qui a quand même péché contre Dieu en prenant la femme de Uri. Parce que le péché est capable d'obscurcir notre conscience au point d'anesthésier toute culpabilité. Nos raisonnements sont empreints d'auto-justification perverse. C'est ce qui se passe quand nous conduisons fatigués sur l'autoroute. Au-delà d'un certain point, la fatigue nous aura tellement enveloppés que nous perdrons toute capacité de nous arrêter jusqu'à l'accident. Le péché nous enveloppe de la même manière que la fatigue. Notre propre convoitise crée l'amorce et si nous ne nous arrêtons pas sur le bord de la route pour traiter le problème, le processus mortel se produit. Jacques 1, 14 et 15 qui dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché et le péché étant consommé engendre la mort. » Se repentir, c'est vouloir être sauvé de son péché, pas simplement de ses conséquences. Le psaume 3, 5, 7 et 9 disent « Ô Dieu, aie pitié de moi de ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Purifie-moi, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas de ton esprit saint. Délivre-moi du sang versé. » Dieu nous l'enseigne, David nous l'enseigne, la repentance, c'est vouloir être sauvé de son péché, pas simplement de ses conséquences préjudiciables. Quand nous sommes convertis, chacun avait une dépendance. Cela faisait des années que nous subissions consciemment ou inconsciemment les conséquences négatives, mais si nous avions pu trouver un moyen de les annuler, je suis sûre que nous aurions pu sauter sur l'occasion et continuer nos péchés. En commençant à lire la Bible, nous avons appris à haïr nos dépendances pour ce qu'elles étaient au regard de Dieu.
pas simplement pour ses conséquences pour nous. Se repentir, c'est demander un changement qu'on ne peut pas produire nous-mêmes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Psaume 51, 12 à 14. Quel message libérateur pour nous. Non seulement Dieu pardonne, mais il crée en lui-même en nous ce qu'il veut voir. Il ne nous demande pas de créer en nous un bon chrétien, mais de lui demander de le faire. Dieu est la source de notre salut et la source de notre transformation. C'est la garantie qu'il produit son œuvre divine par la puissance de son esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. La repentance ne vise pas simplement le pardon de Dieu, mais notre restauration en vue de louer la grâce. Dieu nous sauve et nous pardonne pour être adorés. Le cœur de la vie chrétienne n'est pas la recherche simplement de l'abstinence du péché, mais c'est vivre pour glorifier Dieu. La grâce est le moyen que Dieu utilise pour rendre cela possible. Et pour finir, merci. Et pour finir, la repentance, c'est un mode de vie par l'esprit. Demandons à Dieu de nous donner par son esprit d'affectionner les choses d'en haut qui ne permettent pas de traiter le péché jusqu'à sa racine. Que l'Esprit Saint nous donne le dégoût du péché pour ce qu'il est, qu'il transforme nos pensées, de nos désirs et de nos valeurs. Prendre un temps quotidien pour m'examiner devant Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ce mois de la repentance, parce que même si ça m'a pris du temps à comprendre, j'ai fini par comprendre. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut encourager la sœur Sarah Coty qui va nous partager sa méditation? Sister Sarah. Shalom à tous. Joyeuse fête de Pâques. Alors, je vais vous partager ma méditation que j'ai intitulée « Et maintenant que Dieu t'a pardonné, n'oublie pas de te pardonner toi-même ». Depuis le début de ce mois, j'ai cette phrase qui me revient à chaque fois qui dit « Et maintenant que Dieu t'a pardonné, n'oublie pas de te pardonner toi-même ». La repentance n'est pas pour les païens, elle est pour les chrétiens. Le salut est pour les païens, mais la repentance est pour ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme le Sauveur et Seigneur et qui ont reçu de Dieu le Saint-Esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Quand en tant que chrétiens et porteurs du Saint-Esprit nous péchons contre Dieu, nous pouvons ressentir la tristesse du Saint-Esprit nous envahir. C'est cette tristesse que 2 Corinthiens 7, 10 appelle la tristesse qui plaît à Dieu et qui nous emmène à la repentance parce que comme Jean 16 au verset 8 nous le dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Mais il y a une autre tristesse, une tristesse qui ne vient pas de Dieu, une tristesse qui vient uniquement pour nous faire sentir coupables. Une tristesse qui, au lieu de nous rapprocher de Dieu parce que nous reconnaissons notre état de pécheur et d'insuffisance sans lui, nous éloigne de lui et de son amour qui est prêt à nous redonner une nouvelle chance pour changer d'attitude. C'est cette tristesse et ce qui a rongé le cœur de Judas jusqu'à s'en donner la mort. Et jusqu'à ce jour, beaucoup se retrouvent à vivre la mort que produit cette tristesse. Une mort spirituelle premièrement parce qu'elle nous éloigne de l'auteur de notre vie, mais également une mort physique à cause du sentiment de regret qui nous fait croire que Dieu ne peut pas nous pardonner et que du coup nous ne servons plus à rien. Ce matin ou cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne nous pardonne pas parce que nous en sommes dignes, mais parce qu'un jour Jésus a accepté de payer le prix de nos péchés à la croix et que son sang parle pour nous. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous le méritons, mais il nous pardonne parce qu'il nous aime et que son désir est que tous parviennent à la repentance. Le désir de Dieu n'est donc pas que tu te noies dans tes remords, mais que tu reconnaisses tes erreurs et que tu t'en remets à Dieu. Ce que nous devons comprendre est que cette tristesse nous emmène à la mort parce qu'elle est une grande porte pour le diable, parce qu'elle nous rend faibles, vulnérables et inconscients face aux ruses du diable. Une fois entrés, il vient vers nous pour nous inculquer toutes sortes de mensonges, de paroles contraires à la parole de Dieu telles que « Tu es impardonnable, tu n'en es pas digne, eux sont saints, toi tu ne vaux rien, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais, pourquoi tu veux servir Dieu, tu es beaucoup trop sale, etc. » Son seul but est que nous nous sentions tellement impuissants et que nous lui laissions encore plus de territoire en nous amenant jusqu'à ce qu'il nous pousse à la mort. Pardon. Ton péché peut te sembler grand, mais la Bible dit dans Romains 5, 20 que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé.
comme pour dire que peu importe la taille que tu penses que ton péché a ou combien tu penses qu'il est impardonnable, la grâce de Dieu sera toujours plus grande pour pouvoir couvrir cela. Alors comment se débarrasser de cette tristesse qui ne produit pas la repentance en nous? En acceptant sa nature pécheresse et en se dépouillant de soi-même pour laisser Dieu diriger notre vie. La vérité est que ce qui nous ronge très souvent, c'est quand nous voyons les conséquences que ces péchés ont pu engendrer dans nos vies. Le mal que ça a pu faire à quelqu'un, le retard que ça a créé dans nos vies, etc. Pour cela, il n'y a pas de secret, il faut assumer les conséquences de ces actes. Mais ce qui est merveilleux est que Dieu, dans sa miséricorde, nous pardonne, mais il nous restaure aussi. Comme quand nous nous éloignons du chemin que le GPS nous donne et qu'il nous redonne un chemin pour revenir sur la bonne route. Dieu n'est pas à court d'inspiration pour utiliser une situation qui était censée nous tuer pour nous ramener à lui. Il est toujours prêt, à bras grands ouverts, pour nous accueillir à nouveau, toujours. Alors ce matin ou cet après-midi, refuse les mensonges du diable et accepte le pardon de Dieu. Reconnais tes erreurs, ne les cache pas. Décide de changer radicalement, choisis la repentance en revenant à Dieu. Remets-toi-en à Dieu et laisse-le te restaurer totalement. Tu verras qu'en Jésus, tout, absolument tout, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il y a de l'espoir pour ceux qui se confient en lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a de l'espoir pour ceux qui se confient en l'Éternel. J'aimerais que vous m'aidiez à accueillir Gloriane, qui va nous partager sa méditation. Je veux que tu l'encourages correctement. Shalom à tous. Je vais vous lire ma méditation sur le thème la conversion. La repentance, c'est que tu prends une décision de changement radical. Dans la repentance, il y a trois étapes. Dans Actes chapitre 3 au verset 19, la parole de Dieu dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Il faut se repentir, se convertir et tes péchés seront effacés. Par la repentance, tu commences par prendre des décisions sur ta vie pour un changement. Tu vas évaluer l'état de ton cœur, de tes pensées et de ta relation avec Dieu et sur ta vie personnelle. Tu prendras des décisions sincères sur ta vie, sur ce que tu vas arrêter de faire et sur ce que tu vas commencer à faire. En faisant cela, tu es en train de te convertir. Le mot conversion signifie fait de se changer en autre chose, une transformation. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, la parole dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu » en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. La conversion, c'est que tu te changes en autre chose pour changer ta vie. La question est pourquoi il faut changer de vie. Il faut savoir que Dieu nous donne cette choix de vivre dans la lumière ou dans le ténèbre. La parole de Dieu dit, ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume de Christ et de Dieu. Par le péché, nous vivons dans le ténèbre, le salaire du péché, c'est la mort. Dans Matthieu chapitre 18 au verset 3, là, Jésus nous dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 3, verset 9, la parole de Dieu dit, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous devons nous tous se convertir car c'est Dieu qui nous demande. Même si Dieu nous donne un choix à faire de vivre dans la lumière, dans le ténèbre, il désire que nous soyons près de lui. Dieu est un Dieu d'amour. Il est là pour nous sauver car il veut nous donner la vie éternelle. Mais c'est nous les hommes qui ne le voulons pas. Nous aimons suivre les désirs de notre chair, mais ces désirs nous tuent. Ça nous fait pécher. Nous ne pouvons pas vivre comme ça en Christ avec le péché. C'est pour cela que Dieu nous tend sa main pour que nous soyons totalement changés et transformés. Jésus-Christ revient bientôt. Le royaume des cieux est plus proche de nous. Nous devons se préparer pour son retour sur terre. C'est à travailler sur la repentance. Il ne faut pas se sentir mauvais ou se culpabiliser que tu penses que Dieu t'a abandonné par le péché que tu fais ou que Dieu ne t'aime plus. Dieu nous aime tous, mais n'aime juste pas le péché que nous faisons. Il ne veut pas que nous vivions dans le péché. Il veut que nous vivions dans une nouvelle vie avec Christ. C'est ça la raison pour laquelle nous devons tous se convertir. Comment se convertir? Avant de se convertir, il faut se repentir. Prendre la décision pour changer ta vie. Après cela, tu dois évaluer l'état de ton cœur, de tes pensées, sur ta relation avec Dieu et sur ta vie personnelle. En faisant cela, tu constateras ce qui va et ce qui ne va pas dans ta vie.
Et avec sincérité, tu décideras ce que tu vas arrêter et ce que tu vas commencer à faire. Sans la conversion, tes péchés ne seront pas effacés. La conversion, c'est une étape à prendre sérieusement. C'est dans cette étape que tu te changes en nouvelle créature et tes péchés seront effacés. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16, la parole dit « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Par la conversion, tu ne serais plus esclave du péché. » 1 Jean chapitre 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes maintenant en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et dans Matthieu chapitre 6, au verset 21 jusqu'à 23, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps serait dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sera grande ces ténèbres ? » Nous devons rester dans la lumière du Christ pour être en bon état. En cette année de la manifestation de la présence de Dieu, il ne faut pas que nous oublions que Dieu est lui-même avec nous. Dans la repentance, il est là pour nous aider, pour que nous puissions se changer, pour être transformés en nouvelles créatures. Romains chapitre 12 au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloriane, reste là un instant, s'il te plaît. J'aimerais vous dire quelque chose. Gloriane, ça, c'est le fruit du travail qui se passe dans le collectif J'adore. Quand j'ai envoyé un message à Quand j'ai envoyé un message à Gloriane hier pour qu'elle partage sa méditation, elle m'a dit, David, je suis stressée de partager ma méditation. Alors qu'elle va retourner à son poste, est-ce que vous pouvez l'encourager pour lui montrer qu'elle a bien fait? Merci. Yes. Le collectif J'adore est un ministère international. On va écouter la méditation de notre frère Dan, qui va être projeté sur les écrans. Alors, shalom, J'adore Church, et bienvenue dans cette semaine d'inauguration. Alors, je vais vous lire ma méditation, toujours dans le thème de la repentance. Je suis dans Matthieu chapitre 4, verset 17. La Bible nous dit, « À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc là, on est au moment où Jésus commence son ministère et prêche la repentance. Mais la parole met une emphase sur « à partir de ce moment ». Cela veut dire qu'il y a un événement important qui a précédé ce moment. Un événement qui aurait poussé Jésus à commencer le ministère, mais surtout de commencer spécifiquement avec le message de la repentance. L'événement qui précède ce moment, c'est lorsque le Seigneur a été tenté dans le désert. Alors, est-il une coïncidence qu'après avoir été tenté, le premier message du Seigneur soit la repentance? Pourtant, nous voyons que le Seigneur n'a pas succombé à la tentation. Alors, que veut-il nous enseigner par là? Je suis dans Matthieu chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Ce passage biblique cache plusieurs clés pour vivre une vie de repentance. La parole nous dit que l'Esprit de Dieu a intentionnellement emmener Jésus dans le désert afin d'être tenté par le diable. Mais en grec, ça va encore plus loin. On dit que l'Esprit de Dieu emmena Jésus dans un lieu solitaire, donc dans la solitude, dans le désert. C'est-à-dire que pour que Jésus soit tenté, il fallait qu'il soit dans un endroit bien précis et un contexte bien précis afin de favoriser sa victoire contre l'ennemi. Je comprends par là que le lieu et le contexte dans lequel nous nous trouvons dans nos vies a une forte influence sur la manière dont nous allons réagir à la tentation. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, des fois, tu vas te retrouver en train de céder à des tentations que tu avais déjà l'habitude de vaincre. La tentation n'est pas plus forte que la dernière fois. Elle est la même. Mais c'est toi et moi qui avons peut-être changé de position et de contexte. Et la première clé ici, c'est qu'il faut savoir que c'est l'Esprit qui emmena Jésus dans le désert. Donc, pour savoir si tu es dans un lieu et contexte favorable, il faut constamment te demander comment me suis-je retrouvé dans cette situation. Si c'est l'Esprit qui m'a positionné ici, je ne risque pas de tomber dans la tentation. Et puis la deuxième chose, c'est l'Esprit emmena Jésus dans le désert, dans la solitude. Car étant dans la solitude, Jésus n'avait le choix que de dépendre seulement sur l'Esprit de Dieu. Donc, une autre façon de savoir si c'est l'Esprit qui m'a positionné ici, et qui me placera toujours dans un lieu qui me poussera à dépendre que sur lui. Si je suis dans un endroit de ma vie où je pense pouvoir faire les choses de moi-même, c'est que je ne suis pas dans celui-là.
Et c'est là que Galates chapitre 5 verset 16 prend davantage tout son sens. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, marcher selon l'esprit, c'est laisser le Saint-Esprit te guider vers les lieux et contextes qui te sont favorables pour la tentation. Maintenant, après avoir vaincu la tentation du diable dans le désert par l'Esprit de Dieu, le Seigneur revient avec pleine assurance et prêche, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Après ce qu'il a vécu, je pense que par ce message, le Seigneur nous enseigne quelque chose de profond. C'est que la repentance, qui est un changement de voie, comme on a pu voir, qui est encore un repositionnement, n'est pas quelque chose que tu fais après avoir péché. Car nous savons qu'il n'a pas succombé à la tentation, mais il parle quand même de la repentance. Alors, j'en déduis que la repentance serait plutôt le fait de se positionner à chaque fois dans un lieu et contexte propice pour justement ne pas tomber dans le péché, comme notre Seigneur dans le désert et dans un contexte de jeûne et de prière. Une vie de repentance ou encore une vie de repositionnement ou encore une vie de faire en sorte que je suis toujours au lieu où le Saint-Esprit me guide était la clé du Seigneur afin de ne pas tomber dans la tentation. Se repentir, c'est non seulement un changement de mentalité, mais également une évaluation quotidienne et un devoir de vérifier que je suis bel et bien au lieu et contexte où l'Esprit me veut. Un lieu favorable où même la tentation ne peut rien pour me faire tomber. Alors se repentir, alors je me repens, pas parce que j'ai péché, mais je me repens afin de ne pas pécher. Je mène une vie de repentance qui est le fait de m'évaluer au quotidien, me demandant si je suis positionné à l'endroit où le Saint-Esprit m'a emmené. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Yes. On va quelques communiqués avant qu'on puisse continuer avec la JC Worship Team. Au nom de la Maison des Adorateurs, au nom du docteur Mireille Bassirois, nous vous souhaitons une joyeuse Pâques. We wish you a happy Easter feast. Yes. La prière du matin continue sur Zoom du lundi au samedi. De 6h à 7h du matin. C'est ouvert à tout le monde. Si vous voulez prier avec nous chaque matin, qu'importe où vous êtes dans le monde, écrivez-nous dans le chat et on va vous introduire dans la prière du matin. Jeûne et prière. Alors, comme depuis le début de l'année, nous jeûnons 3 jours par mois, les 3 premiers jours du mois. On ne va pas déroger à la règle ni à l'autel. On va le faire de demain à mercredi inclus. Nous jeûnons de 6h à 18h et nous nous retrouverons ici à 18h. Inauguration. Est-ce qu'on peut acclamer? Pour ma part, ça fait bizarre de le dire et d'y être. Yes. Nous sommes dans notre programme d'inauguration qui commence ce dimanche pascal. Nous serons ici toute la semaine. Donc à partir de demain, nous avons un séminaire qui commence de demain à vendredi à partir de 18h. Chaque soir. Yes. Demain, nous serons là à 18h. Mardi, nous serons là avec un invité surprise. Pour ceux qui ont vu l'affiche, il y avait un point d'interrogation. Mardi, la surprise sera là. Yes. Mercredi et jeudi, nous serons avec le prophète Francis Ngawala. Je t'encourage à ne pas rater, je t'encourage à inviter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 personnes. Yes. Le vendredi, nous serons avec le pasteur Roy Bondo et pasteur Mamina Lumande. Le dimanche, nous serons avec le docteur Matko. Et le pasteur Noëlla Lumande. Mais ce n'est pas fini. Parce que Dieu nous aime beaucoup. Il y a des petits bonus. Je t'annonce déjà que l'apôtre Nathalie Mukwiza sera dans la maison. Si tu ne la connais pas, tu vas la découvrir.
Je t'annonce qu'une femme ne vient jamais seule. A woman doesn't come alone. Tu as compris. Nous aurons aussi des ateliers toute la semaine. We will also have workshops. À partir de mardi. Donc demain, il n'y a pas d'atelier la journée. Nous serons là mardi, à partir de 14h jusqu'à 16h30. From 2 to 4 p.m. Nous aurons le prophète Élie qui est avec nous aujourd'hui, qui va animer un atelier. Le mercredi, le jeudi, nous aurons aussi deux ateliers. Yes. Le vendredi, nous aurons aussi un atelier qui est un peu particulier, parce que l'atelier du vendredi, il concerne les relations, et il est avec le prophète Francis Ngawala. Donc si tu veux qu'on te dise un peu quelques vérités et qu'on te choque, ne rate pas vendredi à 14h. Amen, amen. Samedi 6. Samedi 6, c'est le culte spécial d'inauguration. Qui sera avec nous samedi 6? Yes. Le samedi 6, nous commençons à 14h. Donc, nous ne commençons pas à 18h. Yes. Nous demandons à tout le monde de faire un effort de venir un peu en avance. En tout cas, si tu veux avoir une bonne place dans la salle. Yes. Nous commençons à 14h le samedi. Communion fraternelle. Après le culte d'inauguration du samedi, nous irons manger tous ensemble au restaurant. Tous ensemble, toute l'église. C'est ouvert à tout le monde. Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire afin qu'on puisse organiser cela. Ça va? On a besoin que vous puissiez vous inscrire avant le mercredi 4 avril chez la sœur Naomi Mbuta de la coordination qui est juste là. Yes. Exactement. L'adresse vous sera communiquée et un dispatching aussi sera fait pour arriver jusqu'au lieu du restaurant de manière correcte. Yes. Et s'il y a déjà des personnes qui savent qu'ils auront de la place le samedi, une place, deux places dans la voiture, merci de contacter la sœur Naomi Mbuta afin qu'on puisse faciliter le déplacement d'ici jusqu'au lieu de rendez-vous. Yes. Parking. Nous vous demandons durant toute la semaine de faire attention à là où vous vous garez dans Aventem. Là où vous vous garez dans Aventem. Parce que c'est une commune où la police passe souvent, donc assure-toi d'avoir payé ta place de parking. To avoid unnecessary fines. Yes. Ou alors de suivre les instructions du service d'ordre sur le parking ici à l'église. Le parking ici le soir, il n'y a pas de problème. And we will lead you about all of the information. Enfin, concernant les entretiens avec le docteur Mireille Bassirois, cette semaine, exceptionnellement, il n'y aura pas d'entretien. This week, we will not have an appointment with Pastor Mireille. Mais je suis convaincu que si tu as un besoin particulier spirituel need, et que tu arrives dans la maison des adorateurs cette semaine, le Seigneur va faire quelque chose. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Are you here? Est-ce que tu es prêt à célébrer le Are Seigneur? You ready to celebrate the Lord? Alors je vais te demander de te tenir debout. So we'll ask you to stand up. Parce que les formalités d'usage sont finies. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ça va chauffer? Can you tell your neighbor, non, dis-lui bien ça va chauffer. Yes. Yes, tape la main de ton voisin, tape la main de ton voisin. Dis-lui cet après-midi, c'est cet après-midi. Ah, tape la main de ton voisin. Tu lui dis nous sommes sur le point de décoller. Nous sommes sur le point d'inaugurer. Tape bien la main de ton voisin. Tape bien la main de ton voisin. Fais-lui déjà comprendre que nous sommes dans l'inauguration. Aïe aïe aïe. Ah, tape la main de ton voisin, dis-lui, nous allons débuter, nous allons débuter. Est-ce qu'à ça tu peux ajouter des cris de joie? Ah, fais-le bien, des cris de joie. Yeah. Ah, bouge un peu. Ok, on y va. Amen, amen. Amen, 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 amen. It is so, it is so. Ah, amen, amen. Amen, 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 amen. Yeah. It is so, it is so. Amen. Here redeemed.
l'impression que tu ne comprends pas encore. Donc dis-lui bien, nous sommes venus inaugurer. Oh. Nous sommes venus inaugurer. Dis-lui, nous sommes venus célébrer. Nous sommes venus célébrer. Oh, dis-lui, le Jésus qui était dans la tombe. Le Jésus qui était dans la tombe. Est ressuscité. Est ah. Ressuscité. Oh, dis-lui, le Jésus que les gens pensaient qu'il avait perdu. Ah. Il a fini par gagner. Oh. Yes. Commence à prier. Commence à prier, s'il te plaît. Hostia de Glo. Abracumbabé. Oh, saca la rana maïka tapa la vagadosque. Y pregoste fia doce. Y menece que. Et la briane. Si palane la briane. Yes. Prie, 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 ne sois pas pressé. Mets-toi en condition, mets-toi en condition. Mets-toi en condition. Thank you.
Church, plus de toi dans cette église, plus de toi encore. Nous ne voulons jamais nous habituer au service. Yeah.
continue. Dieu, oh, moi, je suis. Je suis enfant de Dieu. Thank you.
Tu formes la taille que je porte. Tu mets la couleur de la peau que je porte.
Je suis l'ouvrage de tes mains. Mais ce matin, je n'oublie pas que je suis faite à ton goût. Peu importe ce que le monde peut voir, je sais que je suis l'ouvrage de tes mains. Alors je suis la plus belle chose qui embellit cette terre. Créé par les mains du roi des rois, créé par celui qui est saint, qui a touché la boue pour faire ce que je suis. Je suis une créature si merveilleuse. Saint, toi qui as fait terre et ciel, tu as la capacité de séparer l'eau et la terre par une voix, une parole. Un dessin s'est tracé. La géographie a existé. Geography existed. Sans architecte. Without an architect. Sans conseil d'entreprise. Without a counsel. Tu l'as fait par ta parole. You did it by your word. Tu as placé le ciel. You placed heaven. Sans pilier. Without pillars. Sans soutien. Without support. Sans stabilisateur. Without stability. Dans le vide. In voidness. Le ciel existe. Heaven exists. Tu as donné la place au soleil. You gave sun its place. Tu as donné la place à la lune. You gave moon its place. Par ta sagesse, tu as placé les étoiles. And by your wisdom, you placed the stars. À ton goût, tu l'as fait. At your taste, you did it. Qui es-tu, ô Dieu? Who are you, O God? Qui es-tu, ô Dieu? Who are you, O God? Mon petit cerveau ne capte pas ce que tu es. My mind cannot understand it. Ce matin de la résurrection, this morning of resurrection, je me tiens devant tes œuvres, I stand before your works, et je t'adore. And I worship you. Je t'adore. I worship you. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh. M'aider à acclamer le Créateur du ciel et de la terre. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer celui qui a créé ce que tu peux voir et ce que tu ne peux pas voir? Je ne sais pas si vous me comprenez. I don't know if you understand me. Attends avant que tu n'acclames. Wait before clapping. Un jour on me dit. One day I was told. Au fait, tes yeux, quand tu rigoles, quand tu souris, on ne voit plus rien. Tu as des yeux de chinoise. When you laugh, we don't see ce your n'était eyes pas anymore. Un compliment. It was not a compliment. Je lui ai dit. And I said, c'était les plus beaux yeux qui étaient dans les mains de Dieu. It was the most beautiful les eyes that were in the hands of God. Alors c'est les meilleurs. Ce n'est so plus les chinoises, c'est mes yeux à moi. It's the eyes je of veux the king. Que tu regardes à ta voisine, I want ton voisin. You to tell, to look at your neighbor, tu lui dis, tu as le beau yeux and tell de him Dieu. You have beautiful eyes. You have beautiful eyes. Dis-le lui, ne fais pas les jaloux ici. Don't be jealous. Ce n'est pas toi qui les as créés ces It's yeux-là. Not you that created those eyes. Tu exagères, dis à ton voisin de ma part, tu es beau, tu es Tell belle. Neighbor, oh, you are c'est quoi ça? You are beautiful. Karine, dis à Anaïs, Tell elle est neighbor, jolie. You are beautiful. Au goût de Jésus, n'est-ce pas? At the taste of Jesus, isn't it? Il n'a consulté personne. He did not n'a demandé la vie de personne. Did not take ah, dis-toi, je suis jolie. Oh. Tell yourself you are beautiful. Alors, tu peux acclamer celui qui t'a fait son. So you can clap for the one who made. Tu as bien fait. Ne me cherchez pas, ne me cherchez pas. Ok. Deuxième chose. Second thing. Je veux que tu m'aides. I want you to help me. À acclamer. To clap. Le ressuscité. The resurrected one. Hallelujah! Hallelujah! Nous allons bien le faire. We will do it right. Mon père. My father. Est mort. Is dead. Je connais l'adresse là où ses os reposent. And I know where he's buried. Mobutu, mon président, quand nous on est nés, c'était impuissant. Mobutu, my president, was powerful. Il est mort, nous savons là où ses os reposent. And he is dead, and we know where he's buried. L'une que j'ai pensé qu'elle ne pouvait pas mourir. And the one I thought la she would never die. La reine d'Angleterre. The king of England. Elle est restée longtemps sur terre. She stayed long on earth. Nous avons vu son cercueil, n'est-ce pas? We saw that nous savons où ses os se reposent. And we know where she was buried, right? Le prophète Mahomet. Prophet ses os se reposent quelque part.
he's buried somewhere. Juste pour te dire, just to tell le you, puissant prophète Élie, the powerful prophet Elijah, se repose. Le riche David et Salomon, the rich David le zoo on l'adresse. They are dead. Joseph jusqu'à ce qu'il dit, ne laissez pas mes os ici, amenez-les quelque part. Joseph that said, don't take my bones and take Donne-moi them somewhere. Donne-moi l'adresse des os de Jésus. Tell me the bones of Jesus. Je suis allé physiquement en Israël, le tombeau est vide. I went to Israel physically. Si tu n'es pas encore parti, je te témoigne que le tombeau est vide. Les os de Jésus ne reposent pas en Israël. Ça ne se trouve pas à Jérusalem. Il est monté avec son corps, un corps glorieux. Est-ce que tu peux acclamer le ressuscité du troisième jour? Celui qui ne repose pas sous la terre, celui qui n'est pas resté dans le tombeau, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Tu peux célébrer avec moi. Il est ressuscité. Yes, célébrer, 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 célébrer. Avant que je n'introduise l'ange que Dieu nous a envoyé dans cette maison, introduce the angel that God has sent us comme this morning, Jésus est ressuscité, like Jesus je déclare que tout ce qui était mort that everything is, that is dead ressuscite in your life, ce matin au nom de Jésus. J'appelle à l'existence tes finances au nom de Jésus. J'appelle à l'existence ton mariage au nom de Jésus. J'appelle à l'existence tes enfants au nom de Jésus. J'appelle à l'existence ta réussite au nom de Jésus. La réalisation de tes projets au nom de Jésus. Écoute-moi pourquoi je suis dans le droit de le faire. Jésus avec son corps glorieux il monte au ciel. Il est assis à la droite du Père. Je parle du ressuscité. Il est assis en tant que ressuscité. Pas en tant qu'un esprit mort. Il me dit que je suis assis à lui, à la droite du Père. Ça veut dire que ma santé est assise à la droite du Père. Mes finances sont assises à la droite du Père. Ma percée est assise à la droite du Père. Mon succès est assise à la droite du Père. Où est la mort? Où est la mort? Je te défie aujourd'hui. Je suis assis à la droite du Père. Tu peux acclamer ta résurrection. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Ta santé n'est pas morte. Tu es vivant. En Jésus, acclame le bien. Alléluia. Amen. Bienvenue. Welcome. J'adore Church. J'adore Church. À la maison des adorateurs. At the house of worshipers. Tu vas m'aider à regarder bien la créature qui est à côté de toi. Can you look at your neighbor? Tu lui dis joyeuse fête and de résurrection. Happy resurrection. Tu es en train de le dire. As you are telling it. Dans ta voix. With your voice. Comme la parole a créé. As the word created. Ça ressuscite ce qui était mort dans ton voisin. Dis-le bien. Everything that was comme quelqu'un qui est sérieux dans ce qu'il est en train like de faire. Serious qui with donne what la vie. Communique la vie, s'il te plaît. Communicate life. Communique please. La vie. Communicate life. Et toi qui reçois, regarde l'aspect qui était mort, reçois and cette that vie. Is receiving, n'a look dit, at je communique, je communique la vie à ta vie au nom de Jésus. I'll communicate life. Abby, to je life. Communique la vie à ta vie au nom I de Jésus. À Jurinique, aussi là où il est, elle est assise, je communique la vie au nom de Jésus. Bob, je communique la vie dans ta vie. Joe, je communique la vie dans ta vie. Au nom de Jésus. Name of Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu es excité comme moi? Are you excited like me? Je vais me calmer, sinon ça va être riche. I will calm down because it will be pour ne pas dire que ça brûle déjà. That is already burning. Je vais te prier de t'asseoir dans la présence de I Dieu. I want to tell, ask you to sit down in the presence comme of ça, God. Comme ça, je vais inviter. As I will invite. L'orateur de ce matin. The speaker of tonight. Nous avons la grâce ce matin. We have the grace this morning. Pour l'ouverture de cette semaine glorieuse. For the opening of this glorious week. D'avoir quelqu'un de très spécial. To have somebody that's really special. Je dirais bien pour moi, mais bon, c'est pour nous tous. It's for me, but for all of us also.
C'est un papa que j'ai croisé sur le chemin de ma vie. It's a father that I met in my life. Je dis toujours mes vrais gens, que personne ne me présente mes vrais gens. And I always say that my real people, nobody presents them to me. On n'a pas été présenté, un ami nous a non. I have not been connected to him, not a friend or something like that. Quand ma mère était morte, on est parti enterrer. When my mother died, we went to bury her. Et lui, il était à la montagne en train de prier. He was at the mountain praying. Le Saint-Esprit lui a donné mon adresse. And the Holy Spirit gave him my address. Une femme a perdu sa mère quelque part, une servante de Dieu. And a servant of God lost his mom. La servante en question, elle n'était pas servante vraiment. And the servant of God was not a servant yet at that time. Encore manifestée. Not manifested yet. Alors elle arrive à la maison. So he comes at home. Elle participe à tout. He participates in everything. Il y a une servante de Dieu que je dois rencontrer ici. And he says, there's a servant of God that I have to meet here. Quand on l'a reçu, on a dit bon. En tout cas, nous sommes him, là, on n'a pas de servante vraiment. And we received him, we said we don't pour really have a servant. Je l'ai vu peut-être quatre fois après. And after that, I saw him maybe four times. Il venait, il priait avec les gens sauf la servante en question. And he prayed with people, but not with the servant that et he came jour to church to Dieu see. A permis, je l'ai croisé finalement. And when God permitted, I met him finally. Alors pour te dire, c'est le Saint-Esprit qui me l'avait présenté. So to tell you that it's the Holy Spirit that presented him to me. J'ai prié avec lui. I prayed with him. C'est plus de 20 ans maintenant, peut-être 23 ans. More than 20 years, 23 years. Je peux pas compter combien de fois on est parti à la montagne à Mangengenge. I can't count times that we went to the mountain. L'amour de la parole. The love of the word of God. Je l'ai vécu avec lui. I lived it with him. Nous prions avec lui, mon papa biologique et papa Alemoloto. I prayed with him, my biological father and papa Alemoloto. La spécificité de quand on priait à trois mois et lui papa Alain. And what was specific about when we prayed on together? On pouvait faire toute une nuit. We could do all night. On n'a pas prié. We did not pray. On a navigué dans la parole. We navigated in the word tu of God. Tu manges la parole jusqu'à ce que tu sens comme si ta peau s'est transformée en you parole. You eat the word of God until you see your skin changing. Alors quand on est parti avec lui à Dubaï là, il y a quelques jours, and il y a when quelques we semaines, went to Dubai many months ago, Digra told me, je vois maintenant à quelle école tu étais. I see which school you went to. Et je vous assure, pour moi c'est un grand privilège qu'il soit ici aujourd'hui. And for me it's a great privilege for me to have him here. Ils ont parlé de ces choses, il a profité de ces choses il y a plus de 20 ans. And he prophesied about this 20 years quand le Seigneur parlait de cette génération. When the Lord was talking quand about il parlait this generation de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Of what we are living today. Et je ne pouvais pas y croire, je and disais, I could not believe it. Je savais que c'était un vrai prophète mais je disais ça par contre non. And I know it was a real prophet but I just said it like that. Les témoins qui étaient là, mon père biologique est déjà parti. Papa and the one that were there, my father already died. And he's the only one alive. Et pour moi que le Seigneur permette qu'il soit ici aujourd'hui. And for me to have him here today. C'est un grand privilège pour moi. It's a great privilege for me. C'est comme me. Si Dieu me disait je suis là. It's like God telling me I'm here with you. C'est pour ça que je le poste pas, je ne l'invite pas beaucoup. Tu vois quand c'est précieux, il faut cacher. That's why I don't invite him much. I don't post him much because he's precious. I have to hide aujourd'hui, him. Aujourd'hui ça sera la première fois qu'il va parler ici à J'adore Church. So it will be the first one to speak at J'adore Church. C'est le docteur. It's a doctor. Prophète. Prophet. Eli Bouchiré. Eli Bouchiré. Parmi toutes les personnes qui portent le nom de docteur, he has a name of doctor, il est réellement docteur de la parole. He's really a doctor of the word. Je pense qu'il y a mes enfants ou les proches qui peuvent témoigner. And my children and people close to me can testify about that. On part en vacances à Kinshasa. We go to vacation in Kinshasa. Tous les matins, avant le collectif, before il vient the à la maison. Collective, he comes home. Avec les enfants, on étudie la parole. With the children, we study the word il of God. Il donne des versets à mémoriser. He gives you words to memorize. Le lendemain, si tu n'as pas mémorisé ton verset, and the next day you didn't memorize the verse. Je vais pas vous intimider, mais peut même te gifler parce que tu n'as pas étudié la parole. I will not intimidate you, but it can even slap you if you did not do it. Alors les peu et je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Dan pouvait méditer, Ketia pouvait méditer. Aujourd'hui, c'est le travail qu'il a. And I give thanks because now Ketia, Dan can meditate and it's the work quand of this man. Quand on est parti avec le collectif, vous l'avez vu, non? And when we went with the collective, donc we saw vous savez him. De quoi il s'agit. So you know what alors, we are talking aidez-moi about. À recevoir so help me to receive le docteur, the doctor, Eli Bouchiré, qui va Eli nous apporter Bouchiré la parole that will ce matin. Bring the word to us. Seigneur, glory to God.
Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, the Lord Jesus tells us, lorsque vous entrez dans la maison, when you enter in the house, dites d'abord que la paix du Seigneur soit sur la maison. Tell them that the peace of the Lord may be on this house. Que la paix du Seigneur soit dans la maison J'adore Church. May the peace of the Lord may be in the house J'adore Church. Que la paix du Seigneur soit en toi. May the peace of the Lord may be in you. Sois dans ton couple là. In your couple. Ne fuis pas, reste là. Don't flee, stay there. Est-ce qu'elle a, elle a compris? Did she understand? Je dis à quelqu'un que la paix du Seigneur soit dans ta famille. I tell somebody, may the peace of the Lord may be with you. Je commence par rendre grâce à Dieu notre Père. I give thanks to the Lord our Father. En qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. In which we have life, movement and being. Lui qui par sa grâce nous a sauvés. He that by his grace saved us. Je suis né d'une famille musulmane de père et de mère. I was born in a Muslim family from my mother and my father's side. Je suis le premier à être sauvé dans ma famille. I am the first to be saved in my family. Et c'est pourquoi je n'ai point honte de l'évangile. That is why I'm not ashamed of the gospel. J'ai accepté le Seigneur Jésus par sa grâce à l'âge de 32 ans. And I accepted the Lord Jesus by his grace at 32 years old. Je dis merci à ma fille. And I give thanks to my daughter. C'est ma fille aînée. It's my oldest daughter. C'est ma fille aînée. It's my oldest daughter. Je l'aime beaucoup. She, I love her so much. Ce que j'aime chez elle, and what I love about her, elle aime le Seigneur. She loves the Lord. Elle craint le Seigneur. She fears the Lord. Et elle-même, dans la vérité. She loves me in truth. Dans la vérité. In truth. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi, aimons-nous dans la vérité? Tell your neighbor, let us love each other in truth. Le tombeau est vide. The tomb is empty. La mort est partie. Death is gone. Death is gone. La vie est là car Jésus est vivant. And life is here because Jesus is alive. Amen. Amen. Dis-lui encore dans J'adore Church, aimons-nous dans la vérité. Tell him in J'adore Church, let us love each other in truth. Il se fâche. Is he angry? Regarde-le en face. Dis, aimons-nous dans la vérité. Tell him in his face, let us love each other in truth. Et lorsque vous, vous chantez là, and when you sing, est-ce que vous vous aimez? Do you love each other? Je commence par vous. I begin by you. Est-ce que vous vous aimez dans la vérité? Do you love each other in truth? Celui qui a des oreilles pour entendre. May the one who has ears to hear. Qu'il entend. Joyeuse fête de Pâques. Happy Easter. Ok, nous avons le privilège d'ouvrir cette semaine d'inauguration de J'adore Church. We have the privilege to open this week of inauguration of J'adore Church. Lorsque moi je vois ça, c'est que je vois. And when I see what I see, je vois la fidélité de Dieu. I see the faithfulness of God. Dieu est fidèle. God is faithful. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est fidèle. Tell your neighbor, God is faithful. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu me disait, dis à ta fille qu'elle est pasteur, elle me disait, non papa, non papa, non papa. And when God told me to tell his servant that she's a pastor, she was refusing. Alors lorsque je vois ça, and when I see this, les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, c'est ça, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, ce que Dieu lui avait dit. And people can say what they can say, but this is the accomplishment of okay, the word of God. Ok, nous prenons rapidement nos Bibles dans Nombre chapitre 33. Let's take our Bible in Numbers. Nombre 33. Chapter 33. Verset 50. Verse 50. À 53. To 53. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. I read in the name of Jesus Christ. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Can we stand up for the word of God? Interprète comme moi j'ai dit. Okay. L'Éternel parla à Moïse. Now the Lord spoke to Moses. Dans les plaines de Moab. In the plains of Moab. Près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho, il dit. By the Jordan across from Jericho, saying. Est-ce que nous pouvons répéter il dit? Can we repeat? Retiens ça, say, il dit. Remember that. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Speak to the children of Israel and say to them. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, when you have crossed the Jordan into the land of Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays.
Then you shall drive out all the inhabitants of the land. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Destroy all their engraved stones. Vous détruirez toutes leurs images de fonte. Destroy all their molded images. Et vous détruirez tous leurs hauts lieux. And demolish all their high places. Vous prendrez possession du pays. You shall dispossess the inhabitants of the land. Et vous vous y établirez. And dwell in it. Car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. For I have given you the land to possess. Jean chapitre 15. John 15. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. You did not choose me. Mais moi. Je vous ai choisi. Chose you. Je vous ai établi. And appointed you. Afin que vous alliez. That you should go. Et que vous portiez du fruit. And bear fruit. Et que votre fruit demeure. And that your fruit shall remain. Afin que. That whatever. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Ask the Father in my name, he may give. Acclamons you. Le Seigneur et mettons-nous. J'ai 45 minutes. Hein? Ok, merci. Lorsque tu lis la Bible, when you read the Bible, pose-toi cette question. Ask yourself this question. Qui parle? Who is speaking? Ce texte que le Saint-Esprit a inspiré à sa fille. This text that the Holy Spirit inspired to his daughter. C'est Dieu lui-même qui parle. He's God himself that is speaking. Parce que dans la Bible, because in the Bible, il y a plusieurs intervenants. There's multiple people that are speaking. Il y a Dieu qui parle. There's God speaking. Il y a l'homme qui parle. There's the man speaking. Et il y a les anges qui parlent. There's angels speaking. Toutes les deux catégories d'anges. And two categories of angels. Les anges qui ont gardé leur dignité. The angels that kept their dignity. Et les anges déchus avec à leur tête le diable. And the fallen angels with at their head the devil. Il y a l'animal qui parle. There's animals speaking. Il y a les arbres qui ont parlé. There's trees speaking. Il y a l'oiseau qui parle. There's birds speaking. Il y a aussi l'autel qui parle. A-U-T-E-L. Also the altar speaking. The one of Abel. Chaque fois que tu lis la Bible, every time you read the Bible, pose-toi d'abord cette question. Ask yourself this question. Qui parle? Who is speaking? Mais tout ce qui est écrit, but everything that is written, la Bible nous dit que a été écrit pour notre instruction. If the Bible said it, that is written for our instruction. Et lorsque l'homme parle, and when man is speaking, nous voulons juste étirer les instructions, les leçons que nous devons tirer. We want to take the lessons and instructions that we can take out of them. Mais lorsque c'est Dieu qui parle, but when God is speaking, on discute pas, on obéit. We don't discuss and we on obey. On croit, we believe, on obéit. We obey. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens marchent avec les paroles des hommes. Many walk with the word of men. Beaucoup de gens marchent aussi avec les paroles du diable. Many walk with the words of the devil. Il y a d'autres marchent avec les paroles des anges qui ont gardé leur dignité envers Dieu. Others walk with the words of angels that kept their dignity. Et en faire même de prières. And they make prayers out of them. Par exemple, lorsque l'ange Gabriel est venu chez la bienheureuse Marie. For example, when Gabriel came to Mary. Il y a l'animal, l'ânesse de Balaam qui a parlé. There was the animal of Balaam was. Et ces paroles aussi sont écrites dans la Bible. And those words are in the Bible. Mais le thème de notre semaine. But the theme of our week. Qui parle? Who is speaking? C'est Dieu. Is God. Laisse-moi dire à quelqu'un. Let me tell somebody. Dieu ne donne pas l'argent. God does not give money. Dieu ne donne pas les maisons. God doesn't give houses. Dieu ne donne pas les enfants. God doesn't give children. Dieu ne donne pas les voitures. God doesn't give cars. Dieu ne donne pas les chaises. God doesn't give chairs. Dieu ne donne pas les bijoux. God doesn't give jewelry. Mais qu'est-ce que Dieu donne? But what does God give? Dieu donne sa parole. God gives his word.
C'est pourquoi une église bâtie sur la parole de Dieu ne peut jamais être ébranlée. That is why a church that is built on the word of God that can never fail. Une vie bâtie sur la parole de Dieu. A life built on the word of God. C'est comme une maison bâtie sur le roc. It's like a house built on the rock. Et Dieu, and God, lorsqu'il donne sa parole, when he gives his word, tu reçois cette parole, you receive that word, tu crois cette parole, you believe that word, tu marches avec cette you parole, walk with that word, cette parole portera corps. That word will become flesh. Je répète, I repeat, Dieu, God, ce qu'il donne, what he gives, il ne donne que lui-même. He only gives himself. Parce que lui-même, c'est la parole. Because himself is the word. Et il ne peut donner que ce qu'il est. And he can only give what he is. C'est pourquoi l'église, j'adore. That is why the church ma prière élevée de mon cœur, the prayer of my heart, c'est que vous aimiez la parole. Is that you may love the word. Et que vous viviez la parole. And that you may live the word. Que vous ne soyez pas des gens qui écoutent la parole. That you may not be only listeners of the word. Et après, ils oublient. And that they forget the word after that. Beaucoup de vies ne changent pas. Many lives don't change. Parce que les gens n'aiment pas la parole. Because people don't like the word. Je peux te poser une simple question. I can ask you a simple question. Pourquoi tu adores? Why do you worship? Pourquoi tu pries? Why do you pray? Pourquoi tu pries? Why do you pray? Je te pose la question. Pourquoi I tu ask pries? You the question. Why do you pray? Why do you pray? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu viens à l'église? Why do you come to church? Pourquoi? Why? Pourquoi tu jeûnes? Why do you fast? Qui peut me répondre? Can somebody answer me? Tout ce que nous faisons, everything we do, c'est parce que nous obéissons à ce is que Dieu a we dit. Obey what God said. Si tu fais ce que Dieu n'a pas dit, tu es rebelle, tu es rebelle, Dieu ne te connaît pas. And when you do what God does not say, you are a rebel and God does not Aide know you. À dire à celui qui est à côté de toi, écoute la parole de Dieu, crois la parole de Dieu, vis la parole de Dieu. Tell your neighbor, listen to the word of God, believe the word of God and do the word of God. Dieu peut te donner sa parole aujourd'hui. God can give you his word today. Ça peut s'accomplir quel que soit le temps que ça doit s'accomplir, mais elle s'accomplira certainement. It can be accomplished many years after that, but it will be accomplished in anyhow. Alors Dieu dit. So God said. L'Éternel dit à Moïse. The Lord said to Moses. Dis-le. Tell them. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, when you will pass the Jordan, et que vous serez entré dans le pays de Canaan, and enter the land of Canaan, parce que nous parlons de la possession de notre territoire. Because we are talking about the possession of our territory. Tu ne peux pas posséder le territoire que Dieu ne t'a pas donné. You cannot possess the territory that God has not given you. Et c'est comme ça que les jeunes sœurs se retrouvent dans les mariages que Dieu ne les avait pas donné. Et là, elles sont en train de conjuguer le verbe pleurer au temps présent continuel. And that is how people are in marriages that God need not send them into and are crying continually. Le prophète Jean-Baptiste dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui vient d'en haut. And John the Baptist tells us that man can only receive what comes from above. Et Jacques dit, and James tells us, tout don parfait, every perfect toute gift, grâce excellente, every excellent grace, descend d'en haut, come from heaven, des pères des lumières, from the Father of light, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, in which there is no change. La promesse de Canaan, the promise of Canaan, a été donnée à Abraham, has been given to Abraham, dans Genèse chapitre 13. In Genesis chapter 13, verset 14. Verse 14. L'Éternel dit à Abraham. The Lord tells to Abraham. Après que Lot se fut séparé de lui. After being separated from Lot. Lève tes yeux. Lift up your eyes. Et du lieu où tu es. And from where you are. Regarde vers le nord et le midi. Look at the north and the south. Vers l'Orient et l'Occident. To the west and the east coast. Car. Go. Tout le pays que tu vois. And the whole earth that you see, je le donnerai à toi, I will give it to you, et à ta postérité pour toujours, and to your children forever. Et lorsque nous regardons l'origine d'Abraham, and when we see the Arabic origin, il vient d'où? Where do they come son from? Pays d'origine actuellement c'est l'Irak. His origin country is Iraq. Mais Dieu décide de donner. But God gives him. Si Dieu te donne, if God gives you, même si tu ne vois pas, even if you don't see, crois, believe, commence à marcher, begin to walk, tu dis Dieu m'a donné, and tell yourself Dieu m'a God dit, given me. C'est que Dieu dit,
what God Dieu says, n'est pas un homme pour mentir, God cannot ni un lie, fils de l'homme pour se repentir. Nor a son of man to repent from what he said. Et voilà que and so, c'est Dieu maintenant qui parle à Moïse. God is speaking now to Moses. Du pays que Dieu from the land which God a dit a donné à Abraham, has given to Abraham et à sa postérité. And to his children. Il dit, parle aux enfants d'Israël. He says, speak to the children of Israel. Dis-leur, tell them, lorsque vous aurez passé le Jourdain, when you will pass the Jordan, et vous serez entrés dans le pays de Canaan, and enter into the land of voici Canaan, ce que vous devez faire. This is what you will have to do. Premièrement, first, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. You will chase out every inhabitant of the land. Deuxièmement, secondly, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. You will destroy every idol. Troisièmement, thirdly, vous détruirez toutes leurs images de fonte. You will destroy every fake image that they have risen up. Quatrièmement, fourthly, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. You will destroy every high place that they. Cinquièmement, fifthly, vous prendrez possession du pays. And you will take possession of the, et of the vous land. Vous y établirez. And you will inhabit that land. Car because je vous ai donné Belgique. I have given you Belgium. Je vous ai donné Bruxelles. I've given you Brussels. Pour qu'il soit votre propriété. For it to be your je dis à Chador que Dieu t'a donné Bruxelles. That God has il given t'a you donné Brussels. Belgique. He given il you t'a Belgium. Donné l'Union Européenne. He gives you il Europe. T'a donné le monde. He gives you the world. C'est à toi de prendre conscience. You have to take conscience of it. C'est que moi je vis. What I am living, c'est l'accomplissement des prophéties que Dieu lui a donné a donné à ce couple. Is the accomplishment of the prophecy that God has given Dieu to this couple. Dit, God told me. Dites-leur. Tell them. Ils vont quitter le Congo. They will leave Congo. Ils iront à Bruxelles. They will go ils to Brussels. Ils changeront de nationalité. They will change nationality. Ils s'y établiront. They will stay ils there. Me serviront là-bas. They will serve me there. Et je ferai de lui, and elle, I will make of her pasteur. A pastor. Je suis témoin vivant. I am a living. I can testify of it being alive. Je suis témoin. I can testify about it. Donc lorsque je vois, d'abord ça c'est juste le début du commencement. So this is only the beginning. Et je dis à quelqu'un. And I tell somebody. C'est maintenant. It's now. Qu'il faut te placer. That you have to place yourself, position yourself. Je parle maintenant en tant que prophète. I talk as a prophet now. Parce que lorsque Dieu dit. Because when God says. Vous. You. Vous. You. Il parle de qui? Who is toi, he talking toi, about? Toi, of toi, you. Toi, toi, toi. C'est vous. It's you that he's talking about. C'est vous. It's you. Donc, pour prendre possession. So to take possession. Parce que j'ai pas le temps. Because I don't have many. Pour time, prendre possession. To take possession. Premièrement. Firstly. Dépendre de Dieu. You have to depend on God. Écoutez Dieu. Listen to God. Marcher selon Dieu. Walk alongside in the ways of God. Obéir à ce que Dieu t'a dit. Obey to what God has told you. Même si tu vois le contraire de ce que Dieu t'a dit, crois, marche avec ce que Dieu t'a dit, pas ce que tu vois devant toi là. Even though you see the contrary of what God says, walk with it. Si Dieu ne t'a pas envoyé en Belgique, je te demande de rentrer là où tu étais. And if God did not send you in Belgium, go back to where you came from. Parce que quand on parle de la possession, because when we are talking about possession, quand on parle de la terre que Dieu te donne, when we are talking about the land that God has given you, c'est-à-dire que Dieu, it means that God te fait sortir de la place A pour t'amener à la place B, takes you out of place A to take you to place B. C'est pourquoi, that is why, dans la possession, in possession, il y a la notion des lieux, there is the notion of a place. Si tu n'es pas là où Dieu t'a dit d'être, if you are not where God has told you to be, tu vas conjuguer le verbe souffrir au temps présent. You will suffer in the present. Mais au ciel tu vas entrer. But in heaven you will go. Imaginons-nous. Let's imagine. Élie dit, Elijah says, il ne pleuvera pas. It will not rain. Sinon à ma parole. If not on my word. Vrai ou faux? True or false? What did God do? Il a fermé le ciel. He closed heaven. Et lorsqu'il a fermé le ciel, and when he closed the heavens, Elie était là. Elijah was there. Et maintenant, Dieu dit à Elie, and God tells Elijah, va au torrent de Kérit. Go to the river of Kérit. Là, j'ai ordonné, where I gave the order, aux corbeaux, to birds, de te nourrir, to nourish you. Ils t'amèneront matin et soir pain et viande. And they will bring you bread and meat. Et tu boiras l'eau du torrent. And you will drink the water that they will bring. Il a fallu la loi d'un mouvement.
And he needed a movement. Et il a bougé. And he went. Il est parti. He went. Et lorsqu'il est parti, and when he went, il n'est pas mort de faim. He did not die of hunger. Mais lorsqu'il était là, but when he was there, le torrent était devenu sec. The river was dry. Et Dieu lui dit, and God tells him, va à Sarepta. Go to Sarepta. Là, j'ai ordonné à une veuve de Télonie. I gave the order to a widow to nourish. Si Élie était resté à au torrent, and if Elijah stayed at the river, il allait mourir de faim. He would die of hunger. Laisse-moi te dire. Let me tell you. Dans la marche avec le Seigneur, in the walk with the Lord, il y a la notion des lieux. There is the notion of tu place. Peux pas posséder la terre que Dieu ne t'a pas donnée. You cannot possess a land that God has not given to you. Si Dieu ne t'a pas donné, if God did not give it to you, tu vas souffrir. You will suffer. Regardons le Seigneur. Let's look at our Savior. Pour sa venue sur la terre, when he came on the earth, il a fallu que l'ange aille où? The angel à Nazareth. Had to go to Nazareth. La nouvelle de l'annonce de la venue du Seigneur, c'était à Nazareth. And when they announced the coming of the Lord was in Nazareth. Mais ce n'était pas son lieu de naissance. But it wasn't his place of birth. Son lieu de naissance était Bethléem. His place of birth was Bethlehem. Et c'est comme ça que lorsque le temps de la naissance de Jésus approchait. And that is why the time when he had to be birthed. Dieu touche un roi païen. God touches a pagan il king. Il signe un édit. He signs a pour que chacun aille dans son village natal. So that everyone can go to his village. Et c'est comme ça que Joseph et Marie ont quitté Nazareth pour aller à Bethléem parce que la parole de Dieu a parlé de la naissance du roi où? À Bethléem. That is why he took Mary and Joseph back to Bethlehem because the word of God saw the birth of Jesus at Bethlehem. Et pour sa mort, and for his death, il ne devait pas mourir en dehors de Jérusalem. He did not have to die outside of Jerusalem. Et c'est pourquoi, that is why, même quelqu'un comme Joseph, even someone like Joseph, la terre que Dieu lui avait donnée, the land that God gave him, ce n'était pas Israël. Was not Israel. Sa terre où il devait dominer, il devait régner. The land where he had to dominate and c'était l'Égypte. Was Egypt. C'est pourquoi ma prière levée de mon cœur. That is why my prayer. C'est qu'à partir d'ici, that is from now, que J'adore entre dans le monde entier. May J'adore Church go in the world. Y compris chez nous au Congo. Even in Congo, au Rwanda, au Burundi, in Rwanda, Burkina Burundi, Faso, partout. Burkina Faso, everywhere. Au nom de. In the name of Jesus. Ah, tu as peur de rentrer au Congo. You are afraid to tu go as peur back de to rentrer. Congo. Si Dieu t'envoie, tu vas partir. If God sends you la there, façon you will dont go. Tu vas partir, tu ne sauras même pas. The way you will go, you will not even know. Alléluia. Amen. Donc, pour prendre possession. So to take possession. Ma fille Mireille, tu as besoin des vaillants. My doctor Mireille, tu as besoin de l'homme. You need. Amen. C'est pourquoi même pour le salut de l'humanité, that is why even for the Dieu lui-même s'est fait man, homme. God made himself a man. Et la parole a été faite chair. And the world became, the et world a habité pleinement parmi nous. It lived among us. Donc même David, so even David pour son royaume, for his kingdom, il avait besoin des hommes. He needed men. Et c'est pourquoi Dieu avait mis à côté de tout. That lui, is why he des vaillants hommes. Alongside him, ma prière people, élevée de mon cœur. And the prayer that from c'est my que heart, tout J'adore is that all of J'adore entre dans la possession de cette terre. Enter in the possession of this earth. Ce n'est pas la mission de Mireille et son mari seul et ses trois fils. The mission of Mireille and his, her c'est husband. Vous tous qui êtes ses fils. It's all of us that are his, her c'est pourquoi sons. Nous voyons le Seigneur. That is why we see the lorsqu'il Lord. Est venu sur la terre, when he came on the earth, il ne pouvait, quoique Dieu, being God, il avait besoin de l'homme. He needed men. Il avait choisi 12. He chose 12. Mais je refuse Judas dans l'équipe de ma fille. And I refuse toi, Judas, tu n'as pas de place ici. Je dis, toi, Judas, you, Judas, tu n'as pas de place ici. You have no place je te chasse maintenant au nom de I Jésus. Chase you out in the name of Jesus. Et parce que Judas ne changera pas. Because Judas will not Judas ne se repentira pas. Judas will not repent. Et il ne faut pas rester avec Judas. Oh, je vais convertir Judas. Judas ne se repentira jamais. Dis à celui qui est à côté de toi. Tell Judas ne se repentira Judas jamais. Judas will not repent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille. My daughter. Si tu vois Judas partir. When you see Judas going. Sois comme Dieu. Be like lorsque God. Satan est parti, when Satan went left, il n'a même pas regretté. He did not regret. Il n'a envoyé personne pour aller le chercher. He sent nobody to go and seek for him. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Is there somebody in this place? Alléluia. Amen. Alors, Dieu so God a besoin de toi. Needs you. Pour prendre possession. To take possession. Si il n'y a pas beaucoup de gens. If there's not many people. Les arbres, les épines, les animaux sauvages vont envahir.
animals and beasts will invade us. Alleluia. Amen. Je vois une grande armée. I see a great army. Lorsque je regarde ici, as I look at this place, une grande armée qui va bouleverser le monde. I see a great army that will touch the world. Petit troupeau, ne vous sous-estimez pas. Small people, don't underestimate yourselves. Le Seigneur va vous, vous êtes, je vois une armée des missionnaires. The Lord, I see an army of missionaries. Alléluia. Amen. Alors, nous, il nous donne la terre. He gives us the earth. Qu'est-ce que nous devons faire avec cette terre? What do we have to do with that land? Nous devons conquérir maintenant des terres pour Jésus. We have to take land for Jesus. C'est-à-dire quoi? What does that mean? Au travers de toi. Through you. Au travers de moi. Through me. Que les Belges. May Belgian people. Sois sauvé. Be saved. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. It's not you that chose me. C'est moi qui vous ai choisi. It's me that I chose Je you. Je dis à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. I tell somebody, you are the même si ta famille ne te connaît pas, même si la Belgique ou ton pays d'origine ne te connaît pas, mais il y a quelqu'un qui te connaît, il s'appelle Jésus-Christ. Somebody knows you and his name is Jesus. Tu es le choix de Dieu. You are the choice le of God. Choix parfait de Dieu. The perfect choice that Et God c'est has au travers de toi and it's through you que nous allons conquérir la Belgique, we will conquer que nous allons conquérir Bruxelles. We will conquer Je suis en train de voir I am seeing cette place petite. This place really small. Et je veux dire à quelqu'un, and I want to tell somebody, parce que Dieu a besoin de l'homme, because God needs men, je prie, I pray que toi tu sois Noé, that you may be like Noah. Noé, Noah, lorsque Dieu lui avait demandé de construire l'arche, when God asked him to build the ark, il ne lui avait rien donné. He did not give him anything. Je déclare, I declare, je prophétise, I prophesy, la naissance des millionnaires en euros ici. The birth of millionaires in euros. Au nom de Jésus. In the name of de Jesus. De la même façon que tu crois. As the de same la way même you believe, façon que ça cela s'accomplira dans the same way that it will be accomplished in your life. Dis à celui qui est à côté de toi. Tell Noé, your neighbor. Noé avait construit seul l'arche. Noah built the ark alone. Est-ce qu'il y a un Noé ici? Is there a Noah in this place? Is there a Noah in this place? Je suis en train d'énumérer les choses. I am enumerating things. Au travers de mon ministère, j'ai déjà créé beaucoup de gens. As through my ministry, I created en a lot of people. Par des présidents des républiques. Beginning by presidents of big j'ai nations. J'ai déjà vu Dieu prendre quelqu'un du néant faire de lui millionnaire. I see people from small to becoming millionaires. It's not stories je that dis, I tell. Ici, dans J'adore Church, I tell in this je church, déclare la naissance de Noé. I declare birth of Noah's. Des gens qui vont construire l'arche seuls. People that will build the ark alone. Donc, je libère l'onction des millions d'euros. I release Donc, quelqu'un the qui s'élève, il dit, maman Mireille, ne t'en fais pas, moi j'achète. Somebody that will rise up, don't worry about it, I will buy it. Comme tu crois, reçois la grâce. As you believe, receive it. Nous avons besoin. We need des Marie de Magdala, of people like Marie of des Magdalene. Gens qui sont prêts à se sacrifier pour le Seigneur. People that are ready to sacrifice for the Lord. Nous avons besoin des femmes, des jeunes femmes de Chusa. We need a young woman qui servent le Seigneur avec leur that will serve the Lord with their goods. Nous ne pouvons pas posséder la terre sans argent. We cannot possess the earth without money. Que l'argent may money te cherche. Look for you. Quel argent, the money, comme Dieu dit, like God says, il ordonnera, he will give the à la order bénédiction to bless him, de te suivre, to follow you. Maintenant, but now, ce que toi tu dois faire, what you have to do, aie des projets avec Dieu, have projects with God. Comme David dit, like David said, moi j'habite dans une maison de cèdre. I live in a brick house, but the arch dehors is outside. Construire. I will build. Aie des projets pour Dieu, Dieu fera de tes projets ses projets. Have projects for God and God will make your projects his projects. Troisièmement, thirdly, c'est la notion de temps. It's the notion of time. Dieu est le maître des temps et des circonstances. God is the master of time and circumstances. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. And the time of God is not the time of men. Et lorsque le temps de Dieu est là, and when the time of God is there, tout obéit au temps de Dieu. Everything obeys to the time of God. Je répète. I repeat. Lorsque le temps de Dieu est là, when the timing of God is there, tout obéit au temps de Dieu. Everything obeys to the timing of C'est God. C'est pourquoi J'adore Church ne devait pas naître avant aujourd'hui. That is why J'adore Church would not have to be birthed C'est before today. C'est pourquoi il y a beaucoup de morts nés. That is why many people are
born before their time. Et d'autres mettent au monde par césarienne parce qu'ils veulent forcer des choses. And people give birth by force because they want to force things. Conséquence, ils entrent dans l'occultisme. And consequence, they enter into occultism. Dans les fétiches. In magics. Dans la cabale juive. In Jewish. Dans la sorcellerie. Magic. Ils abandonnent le Seigneur. And they give up. Pourquoi? On the Lord. Parce qu'ils devaient mettre au monde un enfant. Why? Because they had to give birth to a child. Et si tu veux forcer de mettre au monde avant, tu vas mettre Ismaël et qui créera beaucoup de problèmes. And if you want to give birth before your time, you will give birth to Ismaël. That will. C'est pourquoi nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ. That's why we see Jesus. Lui Dieu. He is God. Il n'était pas pressé. He was not in a hurry. De commencer son ministère. To begin his ministry. Dans Luc chapitre 3 verset 23. In Luke 3 verse 23. La Bible nous dit. The Bible says. Jésus avait environ 30 ans. Jesus had 30 years. Lorsqu'il commença son ministère. When he began his ministry. Dis à celui qui est à côté de toi. Tell your neighbor. Ne sois pas pressé. Don't be in a hurry. Même pour le mariage, ne sois pas pressé. Even for marriage, don't be in a hurry. Tu es en retard par rapport à qui? You are late in comparison to what? Pose-lui la question. Tu es en retard par rapport à qui? So, ask him the question. Il t'a répondu. Did he respond? Pose-lui la question. Le Seigneur Jésus n'avait pas fait la course avec personne. Jesus was not in a race with anyone. Parce que la différence d'âge entre le Seigneur Jésus et Jean-Baptiste était de 6 mois. Because the difference of age between John the Baptist and Jesus was 6 months. Mais il avait laissé Jean-Baptiste faire son ministère. But he let John the Baptist do his ministry. Mais pourquoi toi tu es pressé? Why are you in a hurry? Pourquoi tu es pressé? Why are you in a hurry? Ne sois jamais pressé dans la vie. Never be in a hurry in life. Attends le temps de Dieu. Wait for the timing of God. Dieu est le maître des temps et des circonstances. God is the master of time and circumstances. Et il fait toujours. And he does everything. Des bonnes choses. Good things. En son temps. In his time. En son temps. In his time. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Is there somebody here? Tu entres mariage prématuré. Toi, tes histoires pressé. You enter into marriage, you are in a hurry. Préparer, tu es trop pressé. Even to cook. Histoires, là. You're always in a hurry. Stop that. Et même des gens qui des enfants qui sont très intelligents, ils échouent. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop pressés à répondre. De plus, d'égal combien? 6. And people that are too intelligent, they are in a hurry to respond. 2 plus 2, they answer quickly 6. Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi. Help me to tell your neighbor. Pressé. Stop being in a hurry. Dis-lui que le Seigneur Jésus avait attendu 30 ans pour commencer le ministère. The Lord Jesus waited 30 years to begin his ministry. Même vous, hein? Even you guys. Même toi là. Even you. Même toi là. Even you. Tu comprends? You understand? Mets-toi d'abord. Stand up, please. Ne sois pas pressé. Moi aussi, je vais commencer. J'adore church. Don't be in a hurry. I want to begin J'adore Church. Tu me vois, moi? You see me? Tu me vois, moi? You see me? Lorsque Dieu m'a appelé, when God called me, Dieu a commencé avec moi des miracles extraordinaires. God began extraordinary miracles through me. Résurrection des morts. Resurrection of the dead. Des fous enchaînés, pam pam. And I would go through you. Et puis Dieu m'a dit. And God told me. Tu es pressé. You are in a hurry. Retourne au banc. Go back and sit down. Prends les chaises et prends tout. Distribue dans d'autres églises. Give your chairs and give it to other churches. Et n'ose plus prêcher. And don't start preaching again. Si c'était toi, tu allais faire quoi? If it was you, what would you et do? Puis tu rencontres les pasteurs qui te connaissent que toi pour guérison, délivrance. And you see the pastor that you know that they know you for miracles, healings. Suis rentré fidèle, simple. I went back as a Dieu m'a détrôné. Small believer. You. Voilà. You. Mets les freins. Don't be in a hurry. Ne sois pas pressé dans les vies. Don't be in a hurry. Dans la vie chrétienne, ne sois pas pressé. In Christian life, don't be in a hurry. Saul a été chassé. Has been chased. Parce que le prophète Samuel a traîné. Because the prophet Samuel was late. Il s'est fait sacrificateur. And he made himself a priest. Ne sois jamais pressé dans les choses de Dieu. Never be in a hurry in the things of le God. Le Seigneur a fait 30 ans. The Lord has waited 30 years. Even you. Ne crée pas un album parce que maman Mireille crée un album. Don't begin an album because Mom Ray did sinon, an album. Ton album là. Because ton your album. La seule personne qui écoutera. The only one that will listen. C'est toi-même. Is yourself. Et c'est comme ça qu'on va t'amener, on va t'inviter quelque part pour chanter. Chanter, ça c'est mon cantique. Personne ne chantera ton cantique parce que ce cantique est sorti avant le temps
des dieux. And that is how you, they will invite you to sing your song, and nobody will sing with you because that song was released before the timing of God. Tu te fâches? Are you angry? Tu te fâches? Je t'ai dit, hein? Are you angry? Ne sois pas pressé. I tell you, don't be in a hurry. Même si les cantiques bouillonnent. Even if the psalms are boiling, wait for the timing of God. Attends le temps de Dieu. Wait for the timing of God. Votre maman est restée assise. Your mom was au pied des années. At the feet for years. Ketia là n'était pas encore née. Ketia was not born yet. Mets-toi d'abord debout. Regarde, elle est devenue maman. She became a mom. Elle n'était pas née. Dan n'était pas née. Gad n'était pas née. Prisca était comme ça, bébé. Mais quelle grâce est là? But what grace did she have? Je peux témoigner de ma fille. I can testify of my daughter. J'ai déjà rencontré des hommes de Dieu. I encountered many men of God. Vous avez la grâce de rencontrer une femme de Dieu. You have the grace to encounter a woman of God. Hein? Tu entends? Do you hear me? Toi aussi ne sois pas pressé. Don't be in a hurry. Tu entends? Yes. Je vois tu es trop feu, chaleur. You see me, you're very in a hurry. Reste. Stay. Hein, frère? Hey, brother. Tu entends? You hear me, right? Mets-toi debout. Stand up. Ne sois pas pressé. Don't be in a hurry. Même dans le mariage. Even in marriage. Hein? Yes. Ça brûle. It's burning. Prends le feu, prends de l'eau. Take water, Fesse. Put in fire. Tu comprends? You see me? Tu comprends? You understand? Hein? C'est entré. It's entered. Bon, je laisse aux autres, je ne parle pas. I will not speak. Bien-aimé, le temps. The timing. Il faut attendre le temps de you Dieu. You have to wait for the timing of God. Le temps de Dieu est le temps de Dieu. The timing of God is the timing. Et lorsque of le God. Temps de Dieu est là, tout obéit au temps de And Dieu. And when the timing of God is there, everything obeys to the Maintenant, timing of God. Lorsque vous entrez. So when you enter. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Do what God has asked you to do. Ce que toi tu fais là. And what you are doing dans ta vie pratique, in your practical life, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit? Is it the Holy Spirit that has told you that? Il y a des gens qui sont devenus des proies des hommes. There's people that become the prey of men. Il y a des gens qui sont devenus des disciples du diable. They became disciples of the devil. Au lieu d'écouter le Saint-Esprit, instead of listening to the Holy Spirit, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Let yourself be led by the Holy Spirit. Dieu a besoin de toi. God needs you. Tu es membre du corps de Christ. You are a member of the body of Christ. Mais tu dois savoir ce que tu dois faire. But you have to know what you have to do. Dieu n'a pas besoin de fainéants. God does not need lazy people. C'est pourquoi il ne faut pas être dans l'église en train de croiser les bras. That is why you don't have to be in church and doing nothing. Le Seigneur nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. The Lord tells us that we did not choose him, but I chose you guys. Je vous ai établi. I established you. Quand on t'établit, and when they establish you, c'est pour que tu commences à signer. It's for you to sign. C'est pour que tu commences à commander. It's for you to command. J'adore church, commence à commander les choses. J'adore church, tout ce que tu commanderas. Things, le Seigneur Jésus dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. In the earth will be also in heaven. Faites la différence dans cette génération perverse. Make difference in this perverse generation. Jésus revient bientôt. The Lord is coming back soon. Où passeras-tu ton éternité? Where will you pass your eternity? Sois instrument entre les mains de Dieu. Be an instrument in the hands of God. Serve le Seigneur. Serve the Lord. Parce que tu es le choix de Dieu. Because you are the choice le Seigneur Jésus dit. The Lord tells us. Si quelqu'un me sert. If somebody serves me. Jean 12, 26. John 12, si quelqu'un 26, me sert, qu'il me suive, that he may là où je me, suis, and where I will là be, sera mon serviteur. There will be my si quelqu'un me sert, if somebody serves mon Père l'honorera. My father will je honor parle me. Aux honorables. I talk to honorables. Servez le Seigneur, serve le Seigneur vous honorera and dans the Lord ce pays. Will honor you in this land. Le Seigneur vous honorera dans cette the ville. Lord will honor you in this life. La seule condition, c'est de le servir. The only condition is to serve lorsqu'il dit, vous détruirez les œuvres du diable. And when he says you will destroy vous the détruirez of the les idoles. You will destroy vous idols. Détruirez les images. You will destroy images. Vous détruirez, you vous détruirez. Destroy. Nous ne pouvons jamais laisser l'influence du diable dans cette ville. We can never let the influence of the devil in this life. Un pays où l'occultisme. A land where occultism. C'est la vie. Is life. Mais vous êtes de Christ. But you are from Christ. C'est à vous d'influencer. It's your le role Seigneur to influence. Jésus dit,
The Lord tells vous êtes le sel de la terre. You are the salt of the earth. Donc en tant que sel de la terre, so as salt of the vous earth, devez influencer. You have to influence. Influence dans le milieu universitaire. Influence, in influence dans ta famille. In family. Influence dans l'immeuble où tu vis. In influence partout, partout, partout. Everywhere you are, you have to influence. Il dit encore. And he tells dans Matthieu 5, 14, in Matthew 5, 14, vous êtes la lumière du monde. You are the light of the world. Partout où vous serez, where you will be, éclairez le monde, you have to light éclairez the world. Bruxelles, light éclairez Brussels, Belgique, light éclairez Belgium, l'Union Européenne, Europe, éclairez l'Europe, light éclairez Europe, les nations. Light the nations. Même le Seigneur Jésus avait son quartier général qui était Capernaum. Even Jesus has his base where in Capernaum. Mais vous avez votre... Vous avez votre quartier général, Bruxelles. But you have your bases in Brussels. Alors, je prophétise. So I prophesy. Des gens viendront de partout. People will come from everywhere. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était né. Because when the Lord Jesus was born. Parce que nous parlons de la naissance. As we are talking of his birth. Lorsque nous parlons de l'inauguration. When we are talking about nous voyons la naissance de l'Église. We see the birth of the et church. Et lorsque le Seigneur Jésus était né. And when the Lord Jesus was born. Il n'était pas né dans le centre-ville. He was not born in the city. Il était né dans la brousse. He was born in forest. In, il était né à Bethléem. In Bethlehem. Dans un lieu sale. In a dirty mais place. Les gens ont vu l'étoile. But people saw the star. Que l'étoile de J'adore Church soit visible may dans toute la ville de Bruxelles, dans l'Union Européenne, dans l'Europe et dans le monde. In the European Union, in Europe and in the world. Et lorsqu'ils ont vu l'étoile, and when they saw the star, les gens sont sortis de l'Orient pour venir là. People came from everywhere to come there. Père, Father, que les gens viennent du nord, sud, est, ouest pour venir adorer ici. From the north, the south, the east and the west. To worship que les païens viennent. May pagans come. Que des grandes personnalités viennent. May big personalities come. Que toutes les catégories de personnes may viennent. Every category et je déclare de cette église and I declare from this sortiront church, des grands de Bruxelles. Come out to au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. In the name of Jesus. Je déclare que de cette église sortiront des grands hommes de Dieu, de grands servants de Dieu. Je déclare que de cette église sortiront des grands hommes de science. Je déclare que de cette église sortiront des grands hommes d'affaires et des grandes femmes d'affaires. Je déclare que de cette église sortiront des grands sportifs, des grands athlètes, de grandes renommées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous devons conquérir. Because we have to conquer. Avoir la terre, c'est une chose. Having the earth is one thing. Mais qu'allez-vous faire avec la terre? But what will we do with it? Qu'allez-vous faire? What will we do? Il faut travailler. You have to work. Il faut attirer. Il faut mettre des choses qui doivent attirer. You have to attract. Et toi? And you? Dieu t'a choisi. God has chosen pour you cette œuvre. For this work. Dieu t'a choisi pour cette God has chosen you for this Dieu work. A la grâce d'être parmi les pionniers. You have the grace to be with alors, the pioneers. Aimez Jésus. So love Jesus. Dépendez de Jésus. Depend on him. S'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais abandonner. If there's something that you don't have to c'est abandon. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. La lecture the et reading la méditation. And the meditation. S'il y a quelque chose que vous ne devez jamais abandonner. If there's something you never c'est la prière. To let go, the car prayer. Dieu est celui qui écoute la because prière. God is the one listening to prayer. Et le Seigneur Jésus dit. And the Lord Jesus dans says, Jean 15 et 7. In John 15, si vous demeurez en moi. If you stay Église, j'adore church. Church je vous prie de demeurer en Jésus. Stay in Jesus. Si vous demeurez en Jésus, if you stay in Jesus, personne ne vous touchera. Nobody will touch you. Et que mes paroles demeurent en vous. And that my words may stay in you. Mes paroles. May my words. Il n'a pas dit les paroles de David. Not the words of David. Il n'a pas dit les paroles de Josué. Not the words of Joshua. Josué dit. Joshua says. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. My house will serve the Lord. David dit. David says. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai the de Lord rien. Is my shepherd, I will not want. Mais le Seigneur Jésus te dit. But the Lord Jesus tells you. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Come to me, who are et je tired, vous donnerai du repos. And I will give you rest. Il y a la place chez Jésus. And there's place in, et il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. And he will never put out the one who comes et to comme him. Nous devons, c'est lui qui nous a donné cette terre. And as he gave us the earth. Sachez que cette terre vous appartient. Know that this earth is yours. Même cet immeuble vous appartient. Even this building is yours. Je le déclare au nom de Jésus. I declare it in the name of Jesus. Je déclare que vous allez influencer. I declare that you will influence. Vous allez influencer. You will influence. Vous allez impacter Bruxelles. You will impact et Brussels ses environs. And des your gens quitteront d'autres villes.
And they will leave other cities. Dimanche. Sundays. Ils viendront ici. And they will come here. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je les déclare au nom de Jésus. I declare it in the name of Jesus. Et lorsque ces choses viendront, and when those things will happen, vous saurez que Dieu est ici. You will know that God is in this place. Je déclare, I declare, que dans cette église, that in this church, prieront des grandes autorités de ce pays. Great authorities of this country will pray here. Je déclare, I declare, que de cette église, that from this church, sortiront des grands hommes et des grandes femmes de Dieu qui vont bouleverser le monde. And women of God that will change the world. Alors c'est à ces conditions-là, and in these conditions, que nous dirons nous avons pris possession. We will say that we have vous ne pouvez pas prendre possession. You cannot take possession sans assujettir, without sans dominer, taming and dominating. Je proclame, I declare, la domination, dominion. Vous ne pouvez jamais conquérir la terre, you can never conquer the earth, sans la multiplication, without multiplication. Je proclame, I proclaim, la multiplication, multiplication des gens, of people, au nom de Jésus, in the name of Jesus. Ces chaises, those chairs, ne dites pas que il y a les anges, il n'y a pas les anges là. Don't tell people there are angels. Les hommes, ce sont les hommes qui doivent se mettre là. It's men that have to be there. Sauvez! That are being saved. C'est comme les gens disent, alléluia, amen. Vous voyez les chaises là? Il y a les anges. Vous les voyez où? And people say, you see those chairs? There's angels there. Mais j'aime ça. But I like it. C'est la foi. Because it's faith. Je déclare. I declare. La résurrection. Resurrection. La vie. Life. Que tout celui qui entrera ici. That everyone that may enter. Quel que soit son cas. Every case that he may. Comme l'inauguration commence le jour de Pâques. Because inauguration is beginning the day of Easter. Je déclare la vie. I declare life. Là où il n'y avait pas de vie, la vie entre. And where there was no life, life is entering. Et pour la résurrection. And for resurrection. Il n'y a que pour la résurrection que Dieu avait utilisé sa toute puissance. And it's only for resurrection that God used his almighty power. Pour ressusciter le Seigneur Jésus. To resurrect the Lord Jesus. Que la puissance de la résurrection ce matin may agisse dans ta vie, resurrection dans act cette in église. Your life. Tout ce qui était mort ressuscite la vie de la parole, la vie de la méditation, la vie de prière, la vie de consécration, la vie de la piété, la vie de la crainte de Dieu, la vie d'évangélisation, la vie de servir le Seigneur avec les finances, la vie de service, la vie de sacrifice. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et que tout ce qui était mort, may everything that was dead, dans ta maison, in your house, dans ta famille, in your family, je déclare la résurrection. I declare resurrection. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je déclare. I declare. Que toi. That you. Toi. You. Bruxelles. Brussels. Premièrement. Firstly. Tu es la capitale de la Belgique. You are the capital of Brussels. Deuxièmement. Secondly. Tu es la capitale de l'Union européenne. You are the capital of the European Union. Je te soumets maintenant. I submit you now. À l'obéissance de Jésus-Christ. At the obedience of Jesus Christ. Je te soumets maintenant. I submit you. À la volonté du Seigneur Jésus-Christ. To the will of God. Je te soumets maintenant. I submit you now. À l'action du Saint-Esprit. To the action of the Holy Spirit. Maintenant toi. Now you. Toi. You. Bruxelles. Brussels. Toi, Bruxelles. You, Brussels. Tout ce qui appartient à J'adore. Everything that is from J'adore. Toi, Belgique. You, Belgium. Toi, Bruxelles. You, Brussels. Je t'ordonne. I ordain you. De libérer. To let free. Tous les hommes. Every man. Toutes les femmes. Every woman. Qui appartiennent à J'adore. That is for J'adore. Ceux qui ne sont pas encore sauvés. Those that are not saved yet. Et ceux qui sont déjà sauvés. And those that are saved. Oui, Seigneur. Yes, Lord. Lorsque toi tu es venu, when you came, Jean-Baptiste était avant toi. John the Baptist was before you. Et comme il était avant toi, but because he was before you, lorsque Jean-Baptiste t'a présenté, when John the Baptist presented you, les disciples de Jean-Baptiste, the disciple of John the Baptist, ont quitté Jean-Baptiste, left John the Baptist, et t'ont suivi, and followed you. Et toi, Seigneur Jésus, tu and nous you, dis, Lord Jesus, j'ai encore beaucoup de brebis. You said I have a lot of sheep qui ne sont pas encore dans cette bergerie. That are not in this house. Elles entendront aussi ma parole. They will listen to my word. Et elles me suivront. And they will follow me. Je prie au Père. I pray, O Lord, que toutes ces personnes, that all of these people, hommes et femmes, men and women. De J'adore. Of J'adore. Nord.
north, sud, south, est, east, ouest, and west, centre, center. Allez, venez dans l'église, j'adore. Go and come and go to the door church. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Père, Father, je prie. I pray pour que maintenant, so that now, l'étoile, the star, l'étoile, the star, qui annonce, that announces, j'adore church, the door church, brille maintenant, may shine now, éclaire maintenant, may brighten now, et que les gens viennent de partout, and that people may come from everywhere, en suivant l'étoile, to follow the star. Je me rappelle, oh Père, I remember, oh Lord, tu avais fait sortir quelqu'un, you put somebody out, de Matadi, of Matadi, pour venir me chercher, to come and seek for me, tu le conduisais par ton étoile, he was jusque là où j'étais. Star, to where I was. Je prie, I pray, pour que tu conduises, that you may lead, les chants, the songs, ici, here, avec leur argent, with their money, avec leur bien, with their goods. Nous avons besoin des Barnabas, we need Barnabas, qui sont prêts à vendre leur propriété, that are ready to sell their et houses, amener l'argent pour le Seigneur, and bring money for the Lord. Père, Lord, Father, nous n'avons pas besoin d'Ananias et Saphira. We don't need Ananias and Saphira. S'ils viennent, ils laissent leur argent, ils meurent, nous les enterrons. If they come, they leave their money, they die, and Père, we bury them. Je prie, I pray, pour que cette église, so that this church, soit une église des gens qui se sacrifient à toi. May be a church for people that sacrifice to on you. On ne peut jamais être un adorateur, we can never be a worshipper, sans être un sacrificateur, without being a priest, sans être un sacrifice pour without Dieu. Being a sacrifice to Père, Lord, je prie, I pray, à toi, Belgique, to you, Belgium, je t'ordonne, I ordain you, de libérer les maisons, to set free houses, de J'adore Church, of J'adore Church, de libérer les avions, to set free de planes, libérer les véhicules, and cars, de J'adore Church, of J'adore Church, au nom de Jésus, in the name of Jesus, toi, Belgique, you, Belgium, je t'ordonne, I ordain you, de donner des postes de commandement, to give positions of aux filles de J'adore Church, and of sons and daughters of J'adore Church, au nom de Jésus, in the name of Jesus, au nom de Jésus, in the name of Jesus, et j'arrête, and I stop, tout vent, every wind, contre, that is against, J'adore Church, J'adore Church, et je détruis, and I destroy, tout projet du diable, every project of the contre enemy, cette église, against this church, Seigneur, Lord, celui qui osera, the one who will try, qui qu'il soit, whoever homme he may ou be, femme, man or woman, qui cherche à combattre cette œuvre, that wants to fight this si work, il est Paul, if he is Paul, rencontre-le sur son chemin, encounter him on his qu'il way, soit frappé d'aveuglement, that he may be struck, et après struck qu'il by soit sauvé, blindness, and that may mais s'il est Hérode, but if he is Herod, qui cherche la mort de Pierre, that seeks the death of Peter, qu'il meure, that he may die, rongé des vers, that he may be eaten, au nom de Jésus, in the name of Jesus. Père, Father, s'il y a des envoyés du diable, if there's people that were sent by the comme Hérode avait envoyé des gens, les mages, pour aller s'enquérir de la naissance du Seigneur, send people to inform them, et au retour venir lui donner les informations, and to give him information, non pas pour aller voir l'enfant Jésus, mais pour aller le tuer. Not to go and see the child Jesus, but to go and kill him. Que ces gens-là, may those people, ne retournent plus chez Hérode. May not go back to Herod. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Père, Father, je sais que tu m'as toujours exaucé. I know that you always et que tu m'exauces toujours. And that you always answer. Je prie au Père, I pray, O Lord, pour que cette église, that this church, influence le monde, may influence the world. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Père, Father, je prie pour que tu enlèves, I pray that you may remove, les Alexandre et les forgerons, the Alexander, les Demas, des gens qui font mal au cœur, Demas that hurt people. Seigneur, Lord, que ton amour soit répandu dans cette église. May your love be released in this church. Que J'adore Church soit une famille. May J'adore Church be a family. Une famille des saints. A family of holy une famille pleine d'amour. A family full et of l'amour love dans la vérité. And love and truth. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je bénis cette église. I bless this church. Je déclare. I declare. De nouvelles choses. New things. De nouvelles expansions. New extensions. De nouvelles paroisses. New churches. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Je vais prier pour une catégorie de personnes. I will pray for a category of people. Qui sont prêts à soutenir cette œuvre. That are ready to support this work. Et dis-moi
je vais servir le Seigneur avec Mama Mireille. And tell himself, I will serve the Lord with Mama Mireille. Tu vois que moi là, see that me, j'accepte de me sacrifier. I accept to sacrifice myself pour le Seigneur, for the Lord, en le servant dans cette œuvre. And by serving him in this work, lève-toi avant, je vais prier pour toi. Lift your, rise up and come forward. I will pray for you. Piano, if you are touched, you can come forward too. Parce que des moments comme ceci, ce sont des moments merveilleux. Because times like these ones are beautiful people. Je prends la décision de servir le Seigneur. And you can tell yourself, I accept it, I take the decision to serve the Lord. C'est pas tout le monde qui est appelé au top leader. It's not everyone that has to be a top leader. Dans le ministère, il y a le ministère d'aide que beaucoup de gens ne savent pas. In ministry, there's a ministry of help that many people ignore. Dieu peut t'utiliser dans n'importe quel domaine. God can use you in every way. Lève ta main, dis Seigneur, me voici. Lift up your hands and tell yourself, I'm here. Dis Seigneur, me voici. Tell yourself, I'm here. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Tu avais choisi les douze. Tu avais choisi encore 70. Tu avais choisi encore 70. Encore, il y avait des femmes. Il y avait encore des femmes. Qui étaient avec toi. Qui étaient avec toi. Pour te soutenir. Pour te soutenir. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je suis prêt. Je suis prêt. Dans le domaine de ma vie. Dans le domaine de ma vie. Dans ce que je peux faire. Dans ce que je peux faire. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi fidèle. Rends-moi fidèle. Et loyal. Et loyal. Que je ne sois pas comme les politiciens. Que je ne sois pas comme les politiciens. Aide-moi à être un vrai. Aide-moi à être un vrai. À ne vivre que pour toi. À ne vivre que pour toi. Apporter ma croix. Apporter ma croix. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Conduis-moi. Conduis-moi. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Le monde. Célèbre. Célèbre. Ta résurrection. Ta résurrection. Ressuscite en moi. Ressuscite en moi. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Pour que je te serve. Pour que tu te serves. Dans la vérité. Dans la vérité. Me voici. 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 Reçois la grâce de servir le Seigneur.
L'orgueil, dit le péché du diable, c'est l'orgueil. Le péché d'Adam, la désobéissance, péché d'Ève, la séduction. Et tu comprends, hein? Dieu, répète-moi après moi, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tiens-moi. Ok, Néma. Koriamas, cet enfant Dieu l'amènera très loin. Il a le monde au bout de Moutoto. Cocotte, mais ce qui est au pic, quand il est film. S'il faut le tirer les oreilles, tu lui tires. S'il faut fouetter, tu le fouettes. S'il faut le punir, il faut le punir. Ce monsieur ici n'est pas à cajoler. Et s'il abandonne Jésus, le diable le récupère, c'est pour le tuer. C'est qui là?
levées. Our hands lifted high. Nos mains levées, nous sommes à la fin. We are at the end. Père. Father. Père. Father. Tu as déployé ta toute puissance. You deployed your almighty power. En ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. By resurrecting Jesus from the dead. Et la Bible déclare. And the Bible says. Dans Romains 8, 11. In Romans 8, 11. Si l'Esprit. If the Holy Spirit. De celui qui a ressuscité Jésus-Christ. Of the one who resurrected Jesus Christ. D'entre les morts. From the dead. Habite en vous. Is living in you. Il donnera aussi la vie à vos corps mortels. He will give life to your deadly bodies. Par son esprit qui habite en vous. By his spirit that he lives in us. Je demande au Père. I ask the Father. La puissance de la résurrection. The power of the resurrection. Lève tes mains, mon frère, ne sois pas distrait. Lift up your hands. Don't be distracted. Que la puissance de la résurrection descende dans ta vie. May the power of resurrection come down on your life. Et partout il y avait la mort. And where there was death. Que la vie entre. May life enter. Allez, sois rempli du Saint-Esprit ce soir. Be filled with the Holy Spirit. Sois baptisé du Saint-Esprit au nom de Jésus. Baptized with the Holy Spirit. Sois baptisé du Saint-Esprit au nom de Jésus. Be baptized with the Holy Spirit in the name of Jesus. Regardez le frère là qui a l'enfant. Amenez-moi ce frère là. Vous laissez récupérer l'enfant. Dieu a un plan avec ce frère. God has a plan with that brother. Sois baptisé du Saint-Esprit. Be baptized with the Holy Spirit. Sois baptisé du Saint-Esprit et du feu. Be baptized with the Holy Spirit and fire. Sois baptisé du Saint-Esprit et du feu. Be baptized with the Holy Spirit and fire. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Quel est donc qui était mort ou enveilleuse ressuscite ce soir. Resurrect this night. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que le don de la parole de sagesse se manifeste. May the gift of the wisdom may manifest. Que le don de la parole de connaissance se manifeste. May the gift of the world of knowledge manifest. Que le don de la foi se manifeste. May the gift of faith manifest. Que le don de guérison se manifeste. May the gift of healing manifest. Que le don d'opérer des miracles se manifeste. May the gift of miracles manifest. Dans cette église, j'adore. In this church. Que le don de la prophétie se manifeste. May the gift of prophecy manifest. Que le don de parler de nouvelles langues May se manifeste. The gift of speaking in tongues manifest. Que le don de discernement des May esprits se manifeste. Of discernment manifest. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of que Jesus. Ce don se manifeste May maintenant. This gift manifest now. Orobo sondoko bokoria baba. Rekenemenion do bokorias. Resakana maya baba. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Toi qui n'as jamais prié en langue, ce soir, prie en langue. Reçois le baptême de feu. Au nom de Jésus. Yoros. Yerabas. Robo Sondoko Bokoria da Baba Baba. Erebes. Je veux voir de toi, Saint-Esprit de Dieu, et comme un récolteur.
Continue to flow. Laisse-le couler encore. Let it flow again. Je prie spécialement. I pray specially que ceci coule pour la transformation. That it may flow for transformation. Que ça ne coule pas par habitude. That it doesn't flow like a habit. Mais que ça nous transforme. But it transforms us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. On me demande à demander aux gens de m'aider de s'avancer. Quand ça se passe, si vous avancez pas, ce n'est pas moi. And I was asked for people of the media to come forward. On va continuer. Alors nous sommes arrivés au moment des offrandes. So we came to the time of offerings. Tu es là? Are you here? Je ne veux pas que tu arrêtes comme si on passait à un autre moment. I don't want ça, you to stop like you are passing to at the next moment. On no. Reste là, on we reste stay là, here. On reste là. Nous allons prendre nos offrandes. We will take our offerings. Nous avons la Sainte Cène. And we'll take our Holy Communion to celebrate this resurrection. And then we'll end our service. I'll ask the people of to come with the baskets. Je vais laisser la place à la sœur Ruth Pala. And I will ask, I will let our sister Ruth Pala, a servant of God, très puissante, very powerful. Je l'ai rencontrée. I met her. Je l'ai plus lâchée. And I never let her go. Elle peut chanter, elle peut prier, elle she peut can prêcher. Sing, pray, preach. Elle peut tout faire. She can do everything. Alors nous avons la grâce de la voir pendant so cette we semaine. Have the grace to nous have célébrons her. Le Seigneur pour sa vie. And we celebrate the Lord alors for nous our allons life. Suivre les instructions du protocole. So we'll follow the instruction of the protocol. Pour venir déposer nos offrandes. To put down our offerings. Je ne sais pas s'il y a moyen qu'on laisse quelques secondes qu'on finisse hein, de prier pour les gens des médias. So we'll comme ça, on aura accès pour les dons des offrandes. So we'll have time for people, merci for offerings. Seigneur pour ta grâce.
Thank you, Lord, for your grace. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Thank you, Lord, for your grace. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Thank you, Lord, for your grace. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Thank you, Lord, for your grace. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Thank you, Lord, for your grace. Merci, Seigneur, pour ta vie. Thank you, Lord, for your life. Merci de communiquer la vie au royaume. Thank you to communicate merci, life. Merci, Seigneur, pour ce que tu continues à accomplir dans Thank cette you vie. For what you are continuing nous to do. Nous te disons merci, ô Dieu tout-puissant. Thank you, Lord, pour ta présence au milieu de nous. For your presence among us. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Amen, amen. Alors je vais laisser la place à la sœur Ruth. Est-ce que tu peux m'aider à l'acclamer? Qu'elle se sente à la maison parce qu'elle est à la maison. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors que tu approches avec ton offrande, j'aimerais que tu dises tout simplement merci au Seigneur pour la vie. Que tu lui dises merci. J'aimerais informer à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ est ressuscité. Il vit à jamais. Est-ce que tu peux l'acclamer alors que tu es là ce matin? Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi de se lever? J'aimerais que tu te lèves. Tu vas louer le Seigneur avec nous alors que tu seras en train d'approcher avec ton offrande. On y va. Que tu peux acclamer pour Jésus. Oh, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Oh, si j'avais 10 000 ans, cela ne suffirait pas. Complètement. Oh, que pourrais-je donner?
Yamba. Est-ce que tu peux lui dire merci pour la croix, merci pour la vie, Jésus? Yamba, Yamba Mato. Déclare encore, reçois Seigneur, reçois. Reçois. Hey, tous ensemble. Déclare, reçois ma louange. Quand tu veux lui dire, je veux te louer le Seigneur, il faut que tu le confesses de tout ton cœur. En pensant à l'œuvre de la croix, ce matin, j'aimerais que tu te réjouisses. Il y a des gens qui se réjouissent parce que c'est leur anniversaire. Aujourd'hui, ce matin, nous nous réjouissons parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et il vit à jamais. Est-ce que tu peux l'acclamer très bien? Est-ce qu'on peut me donner la bonne gamme? On va célébrer le Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Dis à ton voisin, peut-être que tu ne comprends pas encore. Je veux te louer, Seigneur. Encore et de tout mon cœur. Sois élevé, mon sauveur. À chaque jour, à chaque heure. Tu m'as réveillé ce matin. Pour me faire encore tant de bien. Gardé sous ta bonne main. Et ton amour qui me soutient. Comment te dire combien je t'aime? Sans exprimer, sans trop de peine. Avec les mots parfois le même. Pour déverser mon âme t'aime. Quand je pense à toutes tes bontés, que je ne puis même pas compter. De tout cœur et sans hésiter, pour toi je me mets à chanter. Hey! Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. On a pumi sa yo papa. Zoto pe mobimba nanga. Kumama, kumama. Zambe nanguya. Ata pasye kanginga. Kwete ga ina bengwa. Mote mana. Ina bangate ya wazalin zambe alomba kia kosala abosa ningaite na tatoli elonga na kombo na Yesu. Alleluia, ame. Alleluia, ame. Alleluia, ame. Oh, alleluia. Qui commette la yémile holo. Amé, amé, amé. Yoka. Oh, toko kufate toko tatola. Amé, amé, amé. Tatola lisusu. Biso toko kufate toko tatola. Amé, amé, amé. Toko kufate toko tatola. Hey! Amen, amen, amen. Oh, yondeli konzili simbindako. Amen, amen, amen. Yoka nisusu. Amen, yondeli konzili simbindako. Come on. Amen, amen, amen. Toko kufate toko tatola. Come on. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux danser, 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 danser? On y va, go. Bonne fête de Pâques.
li konzili simi j'adore. Amen. Yoneli konzili simi j'adore. Donc 1, 2, 3. Yoneli konzili simi j'adore. Yoneli konzili simi j'adore. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Yoneli konzili simi j'adore. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, je choisis Jésus-Christ dans ma vie. Bougez. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oh, n'ai jamais reculé, jamais reculé, jamais reculé, jamais reculé, a toujours avancé, toujours avancé, a toujours avancé, toujours avancé. Oh, caca liboso, caca liboso, caca liboso, caca liboso. Oh, jamais reculé, jamais reculé. Jamais reculé, jamais reculé, a toujours avancé, toujours avancé. Allez, allez, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bougez, 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 toquez dans nos héros. Allez, on y va. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. A toke na go, eh. Oh, mina kawa pitoke. Ale, kita, 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 kita. A toke na go, oh. Bouge, bouge, bouge. Ah, montre-nous comment tu danseras. Là-haut, là-bas, au ciel. Montre-nous comment tu danseras. Quand tu verras Jésus, c'est ça, 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 à qui t'en a go. Tous ces cris de joie pour Jésus. Joyeuse fête de Pâques. Ah, montre-nous comment tu danseras. Là-haut, là-bas, au ciel. Montre-nous comment tu danseras. Quand tu verras Jésus, c'est ça, 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 à qui t'en a go. Ah, montre-nous comment tu danseras, là-haut, là-bas, au ciel. Montre-nous comment tu danseras, quand tu verras Jésus, acclame Jésus. Show your neighbor how you will dance, how you will see Jesus. Salango. Je ferai
plutôt elle exagère. Parce que je n'ai même pas commencé. So I will not begin. On arrête. We stop here. Alors c'est la Sainte Cène. So it's Holy Communion. Ce qui nous rappelle notre raison sur terre. What we remember our reason on notre earth. Notre relation avec Jésus, our relationship with Jesus, right? Je vous prie de vous asseoir. So I ask you to sit down. Je vais encore une fois inviter papa qui I will invite Papa Eli to direct us in the Holy Communion. Je vais demander au pasteur Patrick et pasteur Noël de s'avancer. In the meantime, I will ask Pastor Patrick and Pastor Noel avec to come forward with the Holy Communion. Ils vont vous attendre pour venir recevoir. And they will wait on you to si receive. Si tu es déjà baptisé par immersion, if you are already baptized et que in immersion, tu es prêt pour recevoir la Sainte Cène, and you are ready to receive Holy Communion, après l'introduction de papa, tu vas t'élever et tu after vas the introduction pour of papa, you will lift up, you will rise up and receive Holy Communion. Gloire au Seigneur. Glory to God. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 6. We read the word in John 6. Versets 54 à 56. Verse 54 to 56. Je lis au nom du Seigneur Jésus. I read in the name of Jesus. Celui qui mange ma chair. The one who eats my flesh. Et qui boit mon sang. And that drinks my blood. A la vie éternelle. Has everlasting life. Et je le ressusciterai au dernier jour. And I will resurrect him in the last days. Car because ma chair est vraiment une nourriture. My flesh is really a nourishment. Et mon sang est vraiment un breuvage. And my blood is really to be drank. Celui qui mange ma chair and the one who eats my flesh et qui boit mon sang and who eats my drinks my blood demeure en moi stays in me et je demeure en lui. And I dwell in him. Donc lorsque nous participons à la Sainte Cène, so as we participate in Holy Communion, le pain que nous mangeons, the bread that we eat, ce n'est plus le pain, c'est la chair de notre Seigneur. Is not bread anymore, but it's the flesh of the Lord. Et le vin que nous prenons, and the wine that we take, ce n'est plus le vin, is not wine anymore. C'est le sang de notre it's Seigneur. It's the blood of our Lord Savior Jesus. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, and that is why the Lord says, celui qui mange ma chair, the one who eats my flesh, et qui boit mon sang, and that drinks my blood, à la vie éternelle, has everlasting life. Donc la personne passe des ténèbres à la vie éternelle. So the one goes from darkness to light. De la mort éternelle à la vie éternelle. From death, eternal death to eternal life. C'est pourquoi je nous encourage à participer à la Sainte Cène. That's why I encourage you to participate in Holy Communion. Parce que nous entrons en communion avec. Because that is how we enter in communion with Him. Vous savez, dans l'occultisme. You know, in occultism. Manger la chair et boire le sang humain, c'est le top. Eating fleshly blood and human blood is the top. Mais nous, nous mangeons la chair du Seigneur. But we eat the flesh of the Lord. Et nous buvons le sang. And we drink the blood. Et c'est dans of le Jesus. Sang où il y a la vie. And it's in the blood that there is life. Alors nous allons prier. So we will pray. Matthieu 26, 26. Matthew 26, 26. Pendant qu'ils mangeaient, as they were eating, Jésus prit du pain. Jesus took the bread. Et après avoir rendu grâce, and after giving grace, il le rompit et le donna aux disciples en disant, he broke it and gave to the disciples saying, prenez, mangez, take and eat, ceci est mon corps. This is my body. Père, Father, nous te présentons le corps de notre Seigneur Jésus. I present you the body of our Savior Jesus Christ. Qui nous met en communion avec ton Fils. That puts us in communion with your Son. Merci Seigneur pour ton corps qui a été meurtri pour nous. Thank you Lord for your body that has been killed for us. Et c'est dans ton corps où tu as détruit le péché. And it's in your body that you destroyed sin. Au nom de Jésus. Like Jesus. Que cette nourriture nous donne la force encore de te servir. May this food give us strength to serve you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Il prit ensuite une coupe. And he took the cup. Père, je te rends grâce. Father, I give thanks. Pour cette coupe qui est le sang de notre Seigneur Jésus. For this cup that is the blood of our Savior Jesus. Que cette coupe ne soit pas une coupe de jugement. May this cup not be one of judgment. Que tout celui qui est malade soit guéri. That everyone that is sick may be healed. Celui qui n'a pas de vie que la vie entre, car and la vie the one est who le has sang. No life may life enter. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Prenez. Take. Buvez-en tous. Drink of it. Car ceci est mon sang. Because this is my blood. Le sang de l'alliance. The blood of the covenant. Qui est répandu pour plusieurs. That has been released for multitudes. Pour la rémission de péchés. For the remission of sins. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Approchons-nous de la table du
Seigneur. Let's come forward and take the Holy Communion. Prenez et mangez. Yes. Prenez et buvez. Come forward and eat. Merci, come forward Seigneur. And drink. Centré sur toi, Jésus, et je renonce à tous mes efforts. Tu prends et tu rentres chez où tu assises, tu attends, on va prendre ensemble. You take it and you go back to your seat and you will take it together. Centré sur toi, moi je reviens au cœur de la tout centré sur toi, Jésus, et je renonce à toutes mes forces, tout centré sur toi. Dis avec moi, le chant termine. Le chant terminé, le rideau retombe. Le rideau retombe. Je viens simplement. Je viens simplement. Oh, portez mon offrande. Portez mon offrande. Car j'ai le désir. Car j'ai le désir. De réjouir ton cœur. Je t'apporte plus qu'un beau chant, je t'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas, chanter ne suffit pas pour répondre, pour répondre à ton appel. Oh, les apparences, sont toi tu vois bien au-delà. Mon cœur, tout le monde a déjà reçu. Has everyone received? Alors tu ouvres, il y a un premier. So you open and there's a first layer. Quelque chose à ouvrir. Et puis le deuxième, il y aura. And then the second one. À boire. There will be. Alors comme tu es en train de prendre part à la chair de Jésus. So as you take the flesh of Jesus, la Bible dit qu'il a rompu. The Bible says he broke it. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. And he said, do this in remembrance nous of me. Nous rappelons de Jésus. And we remember Jesus. Alors je déclare tout ce qui est brisé. So I declare that everything that tout is broken. Tout ce qui était brisé. Everything that was broken. À cause de ce symbole. Because of this symbol. Je déclare la restauration. I declare restoration in the name of tu Jesus. Tu prends part à la chair de Jésus. You take part in et the, tu rends grâce. The blood of Jesus and you give thanks. Nous le dit et le papa l'a dit, dans le sang il y a la vie. And like our father told us, in the blood there tu is life. Tu prends part à la vie de Jésus, au sang de Jésus. And you take part in the blood of Jesus. Que sa vie se renouvelle dans ta vie. And that his life may be renewed in le your life. Le sang de Jésus de notre protection. The blood of our protection. Le sang de notre victoire. The blood of our tu victory. Tu as déclaré la protection dans ta vie. We declare protection in our la lives. La victoire dans tous tes combats. Victory in every la battle. La vie de Jésus dans ta vie. The life of Jesus in your tu life. Tu prends part au sang de Jésus. You take part in it. Et tout revit au nom and de everything Jésus. Comes back to life. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci pour ton sang, merci pour ta vie. Thank you for your life, thank you for que nous your célébrons blood. Aujourd'hui parce que nous nous souvenons de ce que tu as fait à Golgotha. That we celebrate because we remember en what ce you did at Golgotha. En ce jour où nous démarrons cette semaine puissante. And we start this fall for week. Où nous célébrons ta résurrection. Where we celebrate our resurrection. Nous le scellons avec cette table. And we seal it with this table. Sachant que notre alliance knowing that our covenant n'est pas faite des mains d'hommes ou par des alliances des man-made, mais par la chair de Dieu, but by the flesh par le sang Lord, du Dieu vivant, by the blood of our au Jesus, nom de Jésus. The name of Jesus. Amen, amen, amen. Amen.
Je te prie de t'asseoir. I ask you to sit down. On est à la fin. We are at the end. On n'a pas encore accueilli ceux qui sont là pour la première fois. We did not welcome those who came for the first time. Je sais que vous êtes nombreux. I know that you are many. Je ne sais pas si c'est ta première fois d'être ici à la maison des adorateurs un dimanche. First time to come at the house of worship. Je vais te prier de lever ta main. Nous voulons t'accueillir spécialement. I just want you to rise up your hand. Ok, je peux te prier de te lever, s'il te plaît. I want to ask you to rise up. Lève-toi, nous voulons te saluer. We just want to welcome you. J'aimerais bien passer le micro à tout le monde. I would want to give the mic parce que to everyone. Nous aimons bien connaître ton nom, nous aimons bien parler avec toi, n'est-ce because pas? We want to know your name. Mais comme on a dépassé notre temps, on va le faire dans late, la communion fraternelle. We'll do it in... Nous sommes très heureux de vous recevoir ici. And we are happy to receive you. Nous sommes honorés de passer ce dimanche avec we vous. We are honored to have this Sunday ce dimanche with you, spécial. This special Sunday. Alors, nous sommes J'adore Church. So we are J'adore Church. La maison des adorateurs. The house of worshipers. La maison où nous venons nous équiper. The house where we come to pour notre transformation. For our transformation. Pour ressembler à Jésus. To look like Jesus. Et pour faire de toutes les nations ses disciples. And to make all nations his disciples. Alors, si tu es là, so if you are here, et que tu n'as pas une église ou quelque part où tu communies, and if you don't have a church or somewhere where you fellowship, tu peux faire de cette église and ton you want église. To make this church your j'ai envie church, de dire de cette maison ta maison. Of this house your house. Si tu es venu juste de passage pour nous rendre visite, if you only came to visit us, tu transmets nos salutations à ton pasteur. You can transmit our salutations to et your à pastor, la communauté où tu and the community where you are a member of. Sinon, si c'est pas le cas, and if it's not the case, je te conseille. I counsel you vivement, vividly, avec sincérité, with sincerity. Tu vas pas le regretter. You will not regret it. De faire de cette maison ta maison. To make this house your house. Et j'ai un secret pour toi. And I have a secret for you. Tu veux le savoir? Do you want to know it? Tu veux? You want to know Jonathan it? Jonathan Barasre qui veut savoir. Pour du vrai, for je real, serais vraiment honoré d'être ton pasteur. To be your pastor. Alors, si c'est le cas, bienvenue. So if it's the case, welcome. Sinon, tu transmets nos salutations. And if it's not, transmit est-ce que vous pouvez m'aider à bien les accueillir? Can you help me to welcome them? Qui se sentent à la maison? Me feel at home. Tu peux transmettre mes salutations là-bas? Transmit your salutations. Fais le bien, donne un big hug. Very good. Give them a big hug. Un hug chaud. A hot hug. Fais le bien, s'il te plaît. Very good. Ok, ok. Tu demandes le nom pour ask moi. Ask their names. Et nous saluons aussi la présence de l'échevine. And we salute the presence of the de Molenbeek. Etterbeek, ok. Nous saluons la présence de l'échevine d'Etterbeek qui est là avec son mari. We salute the counselor of Etterbeek with her husband that is here. La parole honore aussi les autorités du pays, n'est-ce pas? The Bible tells us to de honor the authorities. Et le Seigneur nous a parlé de ces choses, vous avez venu confirmer. Donc nous saluons votre présence. So we salute your presence. Et nous prions que le Seigneur vous propulse encore. And we pray that the Lord may give et vous nous représentez valablement là, dans, là où you vous may siégez. Represent us validly where you amen, are. Amen, amen. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Welcome, welcome and là, welcome. Je vais juste donner le micro bientôt. I will give the mic soon. Après, vous allez suivre le protocole pour que nous puissions bien vous accueillir. And after that, you'll follow the protocol so that sinon, avant cela, je vais well. Te prier de te lever. Je vais bénir ta semaine. So, by ending, I will ask you to leave, to stand up. I will bless your week. Tu lèves tes mains en position de recevoir. And lift your hands in the position to receive. Je déclare que cette semaine est bénie au nom I de Jésus. I declare this week is blessed in the name of Jesus. Cette semaine, tu vis la résurrection dans tous les aspects de ta vie au nom de this Jésus. This week you live resurrection in every aspect of your là life. Là où il y avait la mort, j'arrache la mort. Where there was death, et je plante la vie au nom de Jésus. And I plant life in the name of Jesus. Là où il y avait la désolation, where there was confusion, je proclame la restauration I dans cette semaine restoration in the au name nom of de Jesus. Jésus. Là où tu as échoué dans where le passé. You failed in the past. Cette semaine, tu réussis. This week you succeed. Là où tu as pleuré. Where you cried. Cette semaine, tu this souris. Week you will smile. Là où tu étais perdu. Where you were lost. Tu retrouves le chemin you find dans your cette way semaine back au nom de Jésus. This week in the name je déclare Jesus. Que tu es béni I de declare Dieu. You are blessed of God. Tu es béni de you Dieu. Are blessed of ta God. Semaine est bénie. Your week ta maison blessed. Est bénie. Your house tes projets blessed. Sont bénis. Your projects tout ce qui te concerne est béni au nom de Jésus. Alors que Jesus. La grâce de notre so Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Father, et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen, amen, amen. Amen.
Yes. Je vais vous demander un instant avant de sortir. We'll ask you before leaving. On a honoré Madame Funke Deschevines. Merci d'être ici. On va, il y a aussi la députée régionale, Madame Gladys Kazadi. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Je me demandais où est-ce que je l'avais vue. Est-ce que vous pouvez bien l'acclamer, s'il vous plaît? On s'est croisés il n'y a pas longtemps. Elle fait des merveilles. Hein? J'aime les gosses jeunes, belles, qui font du bon travail dans le gouvernement. Que Dieu te bénisse. Et j'ai oublié quelque chose, excusez-moi, c'est des choses que je n'aime pas faire, briser le protocole, juste pour vous rappeler, la semaine, c'est radar. Vous n'êtes pas prêts. You're not ready. Donc, de 14h à 16h, so from two to, nous avons des to ateliers. Four, we have workshops. C'est des talk shows en français. Hein? C'est quoi en anglais? En français, c'est quoi? Atelier, non? Vous avez compris. Mm-hmm. Donc, un sujet, tu peux poser des questions. So we have a topic, you can ask questions. Tu auras des réponses des pros. Your responses of professionals. Des vrais sujets. Real subtopics. Demain, donc lundi, on n'a pas de trucs. On commence le mardi. We begin on Tuesday. Nous allons commencer avec Papa Eli. And we will start by Prophet Eli. Vous avez compris? You understood, j'ai right? J'ai reçu des gifles. I received slaps. Quand des fois je suis dur avec toi, comprends. When I'm hard with you, understand. Permis de gifler Eli. Permets pas, c'est pas bon. So permit me. Hein? Donc des fois il faut. Alors il va nous dire comment il fait. Je l'ai vu. So he will tell us how he will do it. Sans péché. He all those years he doesn't sin. Ah, vous ne croyez pas. Alors mardi à 14h, il va nous dire comment lui fait. So Tuesday he will tell us how he nous does voulons, it. Nous voulons, mais nous tombons. We want to, but we comment fall. Comment lui tombe pas? Il va nous dire. How does he not fall? He will tell us. Comment rester dans son appel saint. How to stay in your calling holy. Je l'ai vu prier pour des présidents. I saw him pray for je presidents. Je parle pas en esprit, en vrai. Not in je spirit. Je l'ai vu prier pour des gens qui étaient comme ça et puis sont devenus des ministres, des premiers ministres dans notre pays. For people that were small and became ministers in countries. Mais il est resté intact, comme tu le vois là, c'est comme ça qu'il est. And he stayed as he was, as you see him, that's how he is. Il n'a pas changé. He did not change. No. Comment il a fait? How did he do it? On va savoir. Alors si tu as un appel. Et que tu veux savoir la stabilité dans ton appel, viens. So if you have a calling and you want stability in your call. On a dit mardi entre parenthèses le sang de Jésus. So we cover that in the blood of Jesus. Jeudi le sang de Jésus. On Thursday the blood Vendredi, of Jesus. Vendredi nous avons l'atelier avec le prophète Ngawala. Friday we have a workshop with Prophet Ngawala. Nous allons parler. We will talk. Des relations. Of relationships. Dans l'église. In church. Comment dire les couples. The couples. Les fiançailles. Tout cela. Fiancés, le sexe dans les chrétiens. Sex in with Christians. Et des fois je lui dis, Gab, pourquoi tu parles comme ça devant les gens des choses comme ça? Oui, sometimes I ask myself, how do I talk about those things? Il m'a dit, toi avec tes gens, vous êtes toujours en parler en langue. Je veux venir vous parler. You with your people, you always speak in tongues. I will come to speak to you. Donc viens savoir. So come and tu es tellement saint quand tu prends toujours. Non, au nom de Jésus. Ah, il y a un temps pour tout. Viens. You il y a quelqu'un qui est plus que moi pour parler come. De ces choses. And he's anointing jeudi to talk de 14h à 16h. So Thursday dans les fiançailles, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut pas? Four, what do you have to do? What il you don't have to do? Ou pas? Viens. Come. C'est très important. It's very important. Samedi, il y aura pas d'atelier. Saturday, there will be no workshop. De célébration pour l'inauguration. It's our day of celebration. De 14h. From 2 à 17h. To 5. Et puis après, on va partager un repas ensemble. And then we'll eat together. Naomi est où? Where is Naomi? En haut. Ah. Ok. Donc avec Naomi, si tu veux t'inscrire, if you want to parce que le repas register, et on part au resto. We go to the restaurant. C'est 36 euros. It's 36 euros. Naomi est là, je veux qu'elle vienne demain comme ça tu la vois. Naomi après tu peux there. T'inscrire. You can nous voulons manger avec vous. We want to eat with je you. Veux manger avec toi. I want to eat with you. Et nous voulons manger avec les invités, les orateurs qui vont nous partager la you parole. Want to eat with those with mais our... soit. Speakers. Alors tu peux prendre ta place pour le resto, sinon tout le reste c'est so gratuit. You can take your place for the restaurant. Et ne rate pas les réunions du soir. And don't miss the sessions of the evening. À partir de demain. From tomorrow. On va continuer demain. Après demain quelqu'un d'autre. Après demain donc vous avez compris so l'histoire. Every day, tu ne rates pas. We have a speaker. Tu so seras là. Will you la be Belgique there? Est visitée, ne sois pas en dehors. Belgium is visited. Que Dieu vous bénisse. Missing. So may God bless you. Merci maman. Yes. Oui, donc les inscriptions pour le restaurant pour samedi après l'inauguration, c'est auprès de la sœur Naomi qui est ici. Donc vous vous inscrivez comme ça on peut, parce qu'on doit confirmer en fait avant. Donc inscrivez-vous avant mercredi.
Mercredi, c'est le 3, c'est le jour où on doit donner le nombre au restaurant, ça va? Ah oui, oui, oui. Donc vous pouvez vous inscrire maintenant directement et régler directement avec, avec Naomi, ça va? Merci Naomi. Donc comme on a dit, on se retrouve à partir de mardi, à partir de 14h jusqu'à 16h30, mais déjà à partir de demain, de 18h à 20h30. Donc demain, nous sommes encore avec le prophète Élie. Mardi, il y a la surprise qui sera présente. Mercredi et jeudi, nous sommes avec le prophète Francis Ngawala. Vendredi, nous sommes avec le pasteur Roy Bondo et pasteur Mamina Lumande. Samedi, c'est la journée d'inauguration. Dimanche, nous sommes avec le docteur Matko et pasteur Noëlla Lumande. Et les bonus qui vont aussi arriver. Ok ? On va se diriger vers la sortie. On vous a tenu longtemps. Il y a un petit quelque chose, une petite collation, pour ne pas dire à manger, qui est là. Mais juste vous demander de respecter le protocole, ça va ? On va laisser sortir, bien évidemment, les pasteurs en premier. Est-ce que les Amabears peuvent se lever, organiser cela ? Ensuite, j'aimerais demander au département d'évangélisation. Bien évidemment, Madame la députée Gladys Kazadi, Son Excellence, vous pouvez vous joindre, et Madame Fonke également. Madame Fonke et son mari, vous pouvez joindre le cortège pastoral afin que vous puissiez sortir. Nous apprécions les grâces politiciennes dans la maison. Yes. Ensuite, je vais demander à Sephora, Sarah Coty et Ellie de bien vouloir se lever. Et toutes les personnes qui sont là pour la première fois, vous êtes, je vais vous demander de les suivre. On a un petit cocktail un peu spécial pour vous, dans une pièce un peu réservée. Sarah, Sephora, est-ce que tu peux laisser l'enfant là, s'il te plaît? Merci. Oui, non, parce que toi, dès qu'il y a un enfant... Yes. Il y a Sephora, Ellie, et ça, vous pouvez vous mettre là, que tout le monde vous voit. Et alors, toutes les personnes qui viennent pour la première fois, vous pouvez les suivre. Et ensuite, alors, le reste, vous pouvez sortir. Vous inquiétez pas, il y a à manger pour tout le monde. Et en attendant, on se voit demain à 18h. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Merci. Voilà. Merci de laisser la salle propre un maximum et de la vider rapidement parce que nous devons nettoyer pour demain. Que Dieu vous bénisse.